Bienvenue à tous dans ce jeu qui s'appelle Labyrinthine. C'est un jeu d'horreur qui dans lequel en fait on va devoir parcourir un labyrinthe sans mourir. Oh, il y a du voice proximity. Il y a du voice proximity. Ouais. Mais c'est trop nul parce que ça veut dire que quand on sera tout seul, on sera vraiment tout seul. T'es le goat du jeu d'horreur ou pas? Parce que là, je commence à avoir des doutes. Ils sont où les lampes? Elles sont où les lampes, ces biscuits? Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais non, j'ai dit à tout le monde d'aller nous carry. On devra une chère chandelle, le stand de tir ne peut pas se permettre de perdre autant de prix. Johnny, ok. C'est qui la meuf qui parle dans la radio là? Ah, c'est pas en français le jeu? Ah si! Putain, il a. Franchement, quand j'ai joué au jeu. Quand j'ai joué au jeu. Non, si tu as ramassé, tu peux, si t'as pas ramassé, non. Caché dans ce labyrinthe, sur le câblage, c'est pire que c'est foutu. Est-ce que vous voyez les livres? Est-ce que vous avez le compte à rebours en bas 2 sur 30 ou pas? Non, du tout. Vous avez vu le livre qui est là, du coup? Il y a un livre là, là où je suis. Quel livre? Caro. Ouais, Noël, j'espère que tu vas bien. Là, ah, là. Ouais, tu le vois? Tu peux ramasser. F, tu fais E plus F. Ça commence bien, ouais, vous avez vu? Vous voyez bien le jeu, c'est bien. Ok. Moi j'adore, c'est que personne n'écoute la mana. Bah, nous explique le scénario aussi. Attendez, je vais voir dans graphisme. Luminosité, on va mettre la nuvité à 70. Voilà. Comme ça, on voit un peu. Ok, donc on a de quoi se défendre, mais on peut toujours pas les prendre. C'est vraiment terrible cette histoire. On peut se défendre? Non, non. Bon, venez, on rentre dans le labyrinthe. Allez, Caro, Angel, petit biscuit et moi, on connaît déjà, on reste derrière. Allez, petit biscuit, son perso fait peur. Je suis caché. Oh! Est-ce qu'il y a du body block aussi? Non, il y a pas de body block, tant mieux. Alors, body block en français, c'est blocage de corps. Ça veut dire qu'en gros, on peut utiliser notre corps pour bloquer quelqu'un d'autre. Voilà. Angel, c'est marqué staff sur son t-shirt. Oui, parce qu'en fait, dans le scénario du jeu. Elle a un piercing au nez. Chéridou, c'est écrit staff sur ton t-shirt aussi. Et on est en fait l'équipe qui va faire un concert. Et en gros, il y a un membre de notre équipe qui a disparu dans le labyrinthe, on va le chercher. Oh, ok. Voilà, parce que vous n'avez pas écouté la madame. Il y a une lampe là. Mais non, mais la madame elle parle fort aussi là. Il y a une lampe, il y a un radiocassette, il y a une cassette. On peut passer un objet à l'autre. Attends. Pour passer un. Attends, oh, j'ai pas eu le temps de faire. Passer un d'un en fait, côté de la main, ça... c'est ça? Pour changer de main un peu. Ok. On peut pas ramasser ça du coup. Ah si, je peux maintenant lire des cassettes. Comment on reconnaît Seros? Bah, j'ai la voix la plus aiguë, je crois, parmi les trois filles. Ouais. On a un saut. À chaque map de l'histoire, t'as une clé qui ouvre un coffre au chapitre 6 avec un masque que tu peux mettre sur ton perso. Oh, ok. Parce que c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Parce que j'ai un cosmétique. C'est comment vous faites pour allumer la lampe en fait, les filles? On sait que c'est la manette perdue de Sora. Mais pas du pavé numérique, voilà. Ok, ok. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Let's go. Donc, restons ensemble. Objectif mis à jour, trouver le site de construction dans le labyrinthe. Alors. Du coup, nous on s'appelle les Dopey Kids, c'est ça? Ça a vachement changé depuis la dernière fois que j'ai joué, j'ai l'impression. Il n'y a pas vraiment les. Graphiquement, il est différent et surtout, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses en fait. Beau, le film, le jeu. Par contre, la gueule du personnage de ce grand film. Hey! On a dit qu'on body shame pas les gens! Mais toi non plus? Mais aucun de vous ne le fait! Apparemment. Bouge la bouche, on dirait qu'on est tous ventriloques. Ouais, c'est ça! Appuie sur tab. Trouvez le site, ok. Ça affiche l'objectif en haut. On a avancé là, Caro et Angel. Allez, on avance. Ouf. Premier jumpscare du jeu. Bah en fait, je vous spoil, tous les jumpscares du jeu sont comme ça. Voilà. Ah ouais? D'accord. Ouais. Angel, tu vas kiffer. Tu vas regretter de ne pas avoir live, Angel. Pourquoi? Je peux pas passer derrière, moi, les gars. Je sens que je vais mourir en première. Restons groupés. Alors, techniquement, c'est moi qui meurs en premier. Donc là, c'est marqué Dead End. Ok, d'accord. Pourquoi c'est toi qui meurs en premier? Parce que, en général, je sais pas pourquoi, les monstres ils m'aiment bien dans les jeux. D'accord. C'est vrai. Je suis le roi de l'horreur. Ouais. Avec le voice proximity, ce que j'aime bien, c'est que. Oh putain, le fuck, enfoiré de merde. Mais j'étais en train de parler, j'étais pas du tout concentré sur ce que je faisais là. Tu trouves
Ah, il y a un monsieur tout nu là. Il est parti. Ah, vous voulez pas voir ce qu'il y a en face? Bah, t'as okay. raté le monsieur tout nu, Caro. Quel côté faut aller? Faut suivre le monsieur tout nu, je pense. On a vu un monsieur tout nu. C'est se rendre sa poil sur Instagram. C'est moi à poil sur Instagram. C'est sûr. Attendez, écoutez. Attendez, chut. Écoutez. Écoutez. Vous entendez? Le bruit de mes fesses qui se claquent entre elles. Quoi? Quoi? Alors, la blague était nulle. Ok, c'est bon, je me barre. Je me tire. Elles ont jamais entendu le bruit de des fesses qui claquent quand on a peur. Ouais, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis? Elles sont ignorantes. Voilà. Elles sont petites et mou de poivre, du coup. Voilà, c'est exactement ça, mon cœur. Pour une fois, tu l'as bien utilisé. Ok. Oh là 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 là. Il me semblait qu'on avait des glow sticks, non? Peut-être. Non, tu confonds pas avec Vanish. Pas de façon méthodique. Ah merde! Ah, y a un livre! Attends, j'arrive! 3 sur 30. Il se casse son nom. Non, je suis là, je peux venir chercher le livre. Du coup, t'en as raté un? Pire, hein. Moi, je suis à 4 sur 30. Ah oui, bah, t'en as raté un parce que moi, j'en ai 3 à aussi. À l'entrée, ouais. Donc, quand c'est rentré, il claque en fait, des fesses. Oui, oui, apparemment. À gauche, un à droite. Bah, moi, j'ai pris les deux à l'entrée, mais du coup, j'ai raté l'autre plus loin. Oh, y'a un monsieur! Oh, bah, il court! Bah, attends, les gars, dites-vous un truc. On est 4, il est tout seul, il est tout nu. Mais bien sûr qu'il va courir, il a peur. Enfin, c'est normal. C'est une ZL, mais il est sorti par où, lui? Il est rentré dans la végétation. Il n'a pas peur, le monsieur. Je sais pas, c'est qui tiens, il y en a un, là. Mais c'est par terre, regarde. Entre les sapins. Je suis pas sûr qu'on va trouver les 30, hein. Il y en a vraiment bien beaucoup. Bien caché, hein. Ouais. Bah ouais, j'ai l'impression que vous êtes bien dans le chat. Ah, bonjour, monsieur. Ah bah, c'est toujours le même monsieur. Oh putain. Il y a un bouton ou quoi pour Ouais, ouais, je te jure. Celui qui court dans le noir, c'est glauque et si on évitait de faire ça, merci. Ah oui, il est en train de faire. Il y a un livre là. Il y a écrit quoi sur... C'est ça qui a écrit sur le papier? Mais comment ouais, oui. C'est ça qui a écrit sur le papier, ouais. D'accord. Ouais, ouais. J'ai eu un petit sursaut. Coucou, idéal, sans qu'il va bien. Mais c'est sans doute un bon conseil. Ouais. Passez en premier, je vais laisser Angel passer en premier parce qu'elle se moque de moi là. Bah, vas-y passe en premier là, madame. Madame la pro là, n'importe quoi, je te jure. Gauche ou droite? Vous êtes pas le type que vous cherchez. Alors, c'est une bonne question, Seb. Non, c'est pas le mec qu'on cherche parce que sinon il serait revenu. Fais Roger, viens ici. Attends, y a pas un livre par terre? Non? Non, non. Les gens à poil, on les cherche pas ici. C'est une dead end, ouais. Bah non, Caro? Ah, ok. Oui. Maintenant, je vais vous poser une question. Imaginons qu'il y a une bestiole qui veulent vous manger. Ah. Caro, t'as eu peur? Non, j'ai fait un petit. Hop. Ouais, j'ai pas réagi. Il y a un livre là, il y a un livre. Si je me fais poursuivre. Ici, il y a un livre. Ouais. Imaginons que vous faites poursuivre dans un labyrinthe. Vous courez où en fait? Clairement, c'est littéralement un couloir. Moi, je cours dans la. Où je m'attache au poteau. Ah ouais. Pas sûr que c'est une bonne chose. J'avoue, tu montes sur le poteau. Et pourquoi tu veux le voir, le monsieur? Bah oui, c'est vrai. Pourquoi on veut voir le monsieur tout nu? Bah d'abord, c'est une curiosité morbide. Je suis d'accord avec vous. J'avoue. Mais y a rien là. Ah si. Si, ça continue. Make a break. Et c'est cool par contre, il y a des petits. Make a break, des petites cartes. Objectif mis à jour. Ouais, on a trouvé le site de construction. Il y a des bières. Waouh. Oh, j'ai glow stick. Un compas. Les gars, j'ai. Ouais, j'ai une boussole. Alors c'est bien parce qu'en fait, on récupère tous les objets, on se les pique pas, ça c'est bien. Ouais, heureusement. Il y a quelque chose dont je parlais, du coup. Comment on les active de... Utilisez les glowsticks pour vous aider à trouver votre chemin. Utilisez la boussole pour vous orienter. Bon. LMB pour utiliser un objet. Ok. Les filles? Les filles, vous êtes parties où? Il y a un livre là? Ceci, je suis pardon, j'ai pas vu. Pas le passage. Là-bas, il y a un livre au bout, ici. Où exactement, je sais plus, mais il est sur la poubelle, je crois. Il est où le livre? Sur la poubelle. Sur la poubelle. Au fond, sur la poubelle, à droite. Ah non, c'est des glow sticks. Ouh. Ouais. Sur la poubelle. Au fond, à droite, là-bas. Là-bas, ici. Au fond, à droite, ici, d'accord. Alors, comment j'utilise mon compas? Le glow stick. En laissant les glow sticks, on peut laisser au sol, je suppose, pour se repérer. Il n'y avait pas ça avant. Les glow sticks, je me rappelle pas d'avoir eu des glow sticks. Les glow sticks, c'est pour pas que tu te perdes dans le labyrinthe, je pense. C'est pour savoir où t'es déjà passé, ouais. Ouais, c'est cool parce que avant il n'y avait pas ça. Et
il y avait même pas de combat, il y avait juste la lampe et on avait une plus grosse lampe plus tard après. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on passe par ici en fait. Oui, c'est ça, ça je crois qu'on a pas trop le avec choix. Avec le bouton contrôle. Contrôle là. Enfin, avec les ongles, ça va être compliqué hein. Oui, j'ai mal au petit doigt déjà, c'est bon. C'est clair. Il y a des arbres Et y'a un mini-sig. Y'a des bots dans le chat, Jules? Qu'est-ce qui se passe? T'es streamant? Parce que les mots, c'est normal, c'est mon bot à moi. Il est là pour gérer le... gérer le chat. Attends, c'est quoi les trucs? Ah, c'est... le mot était sur les statues, c'est l'eau. Sur les statues, plus loin dans le labyrinthe, c'est... Ça commence par un E, ça finit par un S. Y'a tous les dialogues en même temps, ça fait trop. Alors, j'ai compris, j'ai dû faire bouger quelques plaques en pierre bien. Pour que ce truc fonctionne. Maintenant, c'est quoi le Alors, le mot c'est Equinox. Le problème c'est que je crois qu'on peut pas le faire avant. Tu connais le spoil. Ah, parce que j'ai déjà fait ça 4 fois. c'est toujours cool, la même chose au début. C'est dommage que ce soit le même mot par contre. Bah, j'ai vu que c'était le même mot là. C'est verrouillé, c'est ça. Ouais. On est obligé de faire la. En fait, on est obligé de faire la mission quoi qu'il arrive. Tout le truc. Yep. Après, alors, bon, attendez. Pas... Le mot change pas, mais. Les glow sticks, que je sache. Ça, je sais pas. Les glow sticks, tu le mets uniquement aux endroits où t'as fait les énigmes. Comme ça, tu sais que t'as déjà fait. Chacun, je suppose qu'on en a beaucoup. Enfin, illimité, je pense. Illimité. Ah oui, c'est vrai que c'était marqué illimité au début, ouais. On a dit uniquement aux endroits. Putain, Tibiscuit, mais. Ça marche, j'ai pas fait exprès. T'es trop drôle. On m'a dit que je pouvais changer la couleur, j'essaye. On peut changer la couleur? La couleur de quoi? Ben oui, du glow stick. Comment? Oh. Mais j'en sais rien, j'ai un truc caché. Ah oui, parce que comme ça, on a chacun. Comme ça, on sait. Color wheel, c'est avec la mouse 1. C'est quoi la mouse 1? Ah, c'est clic droit. Ah, et moi, je prends le violet. Non, le rose, enfin bref. Voilà où. J'ai posé. J'ai pris le bleu. Oh. Mais Moi je vais rester le vert. Ah, prends ce que tu veux, mon cœur. Je prends le rouge, voilà. Prends ce que tu veux, je prends ce qui reste. Hein. C'est bon, tu prends le rouge. Moi je garde le vert. Hein. Comme ça on sait où est passé. Si on voit du vert, on sait que c'est un tel, etc. C'est cool. En plus. Bah attends, chérie, tu veux pas le bleu. Est-ce qu'on commence pas à les mettre maintenant? J'en sais rien. Tu veux pas le rose, mon cœur, puisque c'est ta couleur normalement? Attendez, j'ai une musique chelou là, non? Non, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ma vie. Je lui parle à Caro, mais elle m'entend pas. Attendez, et du coup, je suis ignorée. Elle a détecté sur l'ordinateur. Attendez, elle a une charge élevée sur l'ordinateur, attendez. Ouais, je vais peut-être devoir réduire un peu les graphismes du jeu. T'as une charge élevée sur ton ordinateur, genre sur l'encodage du PC? Ouais. Sur TikTok, il m'a dit ça en fait. Hein. Ah, mais en même temps, chérie, tu live sur TikTok, sur YouTube et sur Twitch. Je vais mettre. Et ouais, c'est normal. Partout? Mets ton jeu en patate, tu verras, tu verras rien. Tu veux le rose, Caro? Tu veux que je prenne le rouge? Le vent souffle sur la Réunion. Merci, Kyle. Merci. Merci, monsieur Météo. On nous en a besoin. Et il fait quelle température actuellement? Oh, ben là, il fait moins 10. Ah là, moins 10, au moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, parce que je crois que le son a coupé en fait quand je faisais les réglages. Forcément, puisque si tu en as le tab. Si tu voulais le rose et que moi je prends le rouge. Oui, oui, oui. Ah oui, vas-y. Oui, c'est sa couleur. Ouais, on aura des patates gratos. Oh là là. Est-ce que vous connaissez le Willy Waller 2000 Specs? Oh putain. Tu aimes la patate, tu veux du Willy Waller? Le Willy Waller. Les patates, hein, c'est de plus en plus restreint. Moi j'y vais pas, allez, vas-y. Bon, c'est vrai, attends, mais c'est Tibisky, la reine des jeux d'horreur et tout là. Ah ouais, mais il est en VR celui-là. Ouais, il est en VR, ça doit faire trop mal à la tête. C'est vrai, il est en VR. Il y a ceux qui sont vers moi. Ah bah il est. Il faudra que tu testes. Mais il était invisible, le monsieur. Invisible. Je pensais que les glow sticks, ils sont. Genre, c'est de la substance pas très très. Ah, d'ailleurs, j'ai reçu le truc pour équilibrer le casque sur la tête. Ah, c'est bien, tu pourras finir Hellpointed 2 en live. Oh, t'as acheté quoi du coup? Putain, Exorciste aussi. Mérite sur l'habit VR. Il y a quelqu'un qui a pas fait son travail de jardinier. Hein. Oh, il y a En fait, ce côté du labyrinthe n'a pas été. Ah oui. Il y a Dany. What the fuck? Red Room. Dany, c'est qui Dany? Red Room. Red Room. Dany dans. Shining. Shining. Oh putain, oui! C'est bon, j'ai la ref. Ça y est. Elle n'avait pas la ref. Boubou. Bah, écoute, moi, je l'avais pas. Pour la première fois. On peut gronder Caro aussi. Sur son live? Non, la grondez pas, elle est pas au courant. Pourquoi vous voulez me gronder? Non, pour la tempête, pour la tempête coupé, que hein. Tu m'as mis, en fait, c'est pour ça. Mais voilà, le son a coupé, bande de bizarres. Oui,
Mais en fait, Angel s'est retournée, elle m'a regardé, elle fait « Oh, pauvre de toi. » Mais le soir, Il y a un livre. Ah ben... Là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé de livre, j'avoue. Donc, ça veut dire qu'on en a raté au moins 50. Clairement, on en a raté plein. Mais arrêtez, vous égrenez en fait, vous balancez vos trucs partout là. On n'a pas fait exprès. Oh. Mais il y a un truc à faire avec les crânes ou pas? Non. Non, je suis pas sûre. Alors oh moi, mon Dieu. Angel, fait peur avec j'avais jamais joué à ce jeu à 4, j'ai toujours fait à 2, parce que c'est trop drôle. C'est le bordel. Hein. Je vois ses yeux rouges. Attends, j'ai eu une loupe là. Il y a un livre. Il y a un livre. 11 livres on est plus passionné pour ramasser les livres que de faire le jeu. Bah en même temps, bah c'est le jeu ma pauvre Lucette. Coucou une amie pour ramasser 30 et il y a un truc qui va se passer là maintenant tout de suite dès que je vais tourner. Vous êtes prêts? Ah c'est juste des collectibles. C'est le jeu. Par contre j'ai un énorme os. Et la cassette. Que vous pensez que c'est un os de hanche? Il y a un livre. C'est pas un fémur. Oui il y a un livre. Pas clairement pas un fémur. Il est où? Ah là. Et le Tsuki Bling Fact, tu vas bien? Alors, c'est un. En fait, si, je crois que c'est un fémur, c'est juste que le jeu n'a pas de proportion. Ah, parce que le fémur, normalement, il s'en branche pas comme ça. Non, bah, c'est surtout que là, ça ressemble au fémur d'un orang-outan ou d'un truc gigantesque, tu vois. Mais bon. C'est la première fois, il l'a mis, ça fait très longtemps. C'est ce que j'ai dit. Il y a des chapitres que j'ai pas fait. J'avais pas vu, pardon. Je vais rester à côté du fémur, je vais pleurer. Pourquoi, Guillaume? Tu veux rester à côté du fémur? Oui. Pourquoi? Je vais le prendre dans mes bras. Encore? Oh mon Dieu! Mais genre en plein milieu comme ça? Il est passé par terre en fait. Oh mon God! Bah on a trouvé 12 sur 30, mais je suis sûr qu'il y en avait au moins 20. Ah, voilà. Non mais s'ils sont intelligents en fait, ils ont mis plus de livres. Mais putain! Que prévu. Non, je pense pas qu'ils ont mis plus que prévu. Je suis sûr qu'ils ont mis la quantité nécessaire. Là je lâche. De toute façon on va devoir repartir. Ici c'est un point de sauvegarde! Je me rappelle de ça. Ah oui. Ah cool! Cassette. Ah la musique. J'ai la chance de rencontrer Severus au Comic Con Paris il y a quelques années. J'espère que la prochaine fois vous y serez tous les deux. Ça remonte. Elle était là en plus. C'est ça qui est trop drôle. J'étais littéralement là. Elle était là mais elle le liveait pas encore je crois à ce moment-là. J'ai trouvé une sorte de mécanisme ici. J'ai réussi à faire en sorte que tout le dispositif brille. Je me demande si ça contrôle quelque chose. Attends c'est quoi quel dispositif qui brille? Bah je sais pas. D'autre côté. Point de cliquez sur la lampe. Cliquez sur la lampe ça fait. Vous avez point de contrôle ou pas? Oui. Non. Oui. Si, clique sur la lampe. Point de contrôle. J'ai point de contrôle, ouais. Voilà, clique sur le côté de la lampe, là. Non. Mais je crois que ça fait pour tout le monde. Ça fait pour tout le monde. Ok. Merci, Nami, pour ta série. J'ai cru que j'avais fait quelque chose, mais en fait, c'était pas moi. Salut, Linono. Je vais voir si t'es plus flippette que moi, mais ça arrivera dans 4 heures ou quoi. Alors, j'ai des petits sursauts, comme ça, mais je vais peut-être pas cliquer. Sauf si je me fais, genre, poursuivre. Je suis parti voir s'il y avait un truc derrière. Il regarde si l'asset il est bien. Je vais regarder s'il y a un livre. Il y a que ici, oui. C'est vrai qu'en plus avec Linono, on a découvert ce jeu en premier ensemble. Il y a pas un livre ici là? Non. Passion livre. Passion livre. Passion livre. Nous sommes des bibliothécaires. C'est le Doki Doki Literature Club. Doki Doki. C'est marqué Equinox. Oui. Il y a pas le i. Equinox. C'est ek. C'est quoi ce bruit? Les frérots. C'est Seros. C'est pas moi non. Il arrive pas de dire Red Room. C'est pas moi non. Il y a un gros gros là. C'est pas moi. C'est Seros. Marrant. Elle est abîmée. D'accord. Attendez, comment on jette les glow sticks? Tu clic gauche. Ah comme ça. Oui. Ta gueule! Oh. Et mais monsieur, moi aussi j'ai faim! C'est pas ma question pour ça qu'il c'est. Faut, grogner, hein. Ma question c'est grogner? Bah oui! Oh, ok, il faut le. Oh. Je sais pas, je vais lancer un glow stick. Voilà. Voilà. Oh, ouais, c'est la fête ici. En fait, on est dans dans des concerts, c'est pour ça qu'on a les glow sticks. Totalement, on fait des concerts du coup. C'est notre boulot. Je suis pas bien là. Ouais, est-ce qu'on bien. Commence à les poser pour savoir où on est passé? Bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai posé justement devant le Eki. Là, un glow stick. Moi, je cherche les livres, moi. Je suis dédié à ça. J'ai trouvé un livre, justement, mon cœur, ici, à gauche. Merci beaucoup. Là. Oh là là. Monsieur, il y a quelqu'un qui grogne. Pas trop ça. Mais oui, il veut un câlin. Il y a un livre. Il veut pas un câlin, je crois qu'il veut te bouffer, oui. Dans la il y a un glow stick, là. Donc, c'est bon.
Ah, on ça fait le tour. Ah, vous faites le glow stick tout le long. Ben oui, pour savoir où on est passé. C'est limité. Ah. C'est pour savoir où on est passé surtout. J'ai pas. Oh, pardon. C'était Escape ou c'était Inside. Non, mais c'est terrible, c'est ceux qui jouent à tous les jours des jeux d'horreur qui ont plus peur. Mais ils ont pas peur, les deux là, elles m'énervent. Attends, ils ont changé les énigmes. Non, ils ont changé les énigmes. Ah, bah voilà, je mets des glow sticks partout. Non, mais vous savez quoi, heureusement qu'ils ont changé parce que l'énigme qui était là avant, elle était dégueulasse. C'était avec les cadres, il y avait des cases au sol. Je sais pas si tu te rappelles, petit biscuit. Il y avait des cases au sol, il fallait faire une espèce d'énigme. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. On peut vous il manque des leviers, non? Ouais, il manque des leviers, ouais. Il faudrait prendre un choix. Ah, attendez, moi je sais qu'il est gauche en fait. Il y a un livre là. Les glow sticks, mais c'est eux? Oui, c'est écrit en gros. Il y a un livre à droite, mon cœur. Il y a un livre? Merde, j'ai encore lâché un glow stick. Alors attends, parce qu'il y a un truc avec les sigles. La statue, elle a fait des trucs chelous aussi. Ah, elle regarde la statue, ouais, elle tourne la tête. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Regarde. Elle a du son mais sur les yeux. Ce mécanisme a l'air vieux, je doute que Johnny ait mis ça en place. La foire ne peut pas se permettre ce genre de budget. Oh Johnny, si tu savais. Les gars. Tout le mal. Ah ça change. Tu me fais ça. Regarde quand vous mettez pas de lumière sur lui. Mettez pas de lumière sur lui. Tournez. Mettez pas de lumière sur lui. Deux roues en même temps. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais il bouge aussi. Il y a des symboles. Oui, il y a des symboles. Il y a des symboles sur lui quand on met pas de lumière. Pardon, non mais on est trop distrayant là. J'ai acheté une vacances, excusez-moi. Tu viens de rentrer, t'es allé chercher ta première moto, c'est okay. Trop bien. Il manque des leviers, non? Bah je sais pas si on doit trouver des leviers pour revenir en fait. Bah je pense que si, moi, mais... Parce que ici ça marchera jamais, lui. Est-ce qu'on peut le récupérer? C'est peut-être nous qui marchons aussi, hein. Non, on peut pas les récupérer. Je pense qu'il faut trouver des leviers. Ouais. C'était en 2018, ben merde, je t'ai pas vu, désolé du coup. Mais ouais, Comic-Con 2018, j'étais bien avec Seros. Retourne. La statue est terrifiante. Enfin, ouais, bah elle avait un petit regard un peu machin. Comic-Con avec Seros, on y retourne? Parce qu'on a pas, on a que le Eki, on a pas le Nox. Oui. Bah en fait, il y a ce truc-là, il ouvre la porte surtout, donc on est obligé de le faire. C'est ça, voilà. Mais ouais, l'énigme avant, c'était pas ça, c'était des cases au sol. T'as vu les globes oculaires de qui? Bah de toi, tu fais passer devant. Mais oui, quand on passe dans les personnages en fait. Ah bah regarde, il y a un autre là. Ouais. Salut. Pas de lumière sur lui. Il y a lumière sur lui, c'est ça du coup. Ah, il y a un livre. Attends, les statues, je sais pas quel sens elles ont, les statues. Je connais, ils ont changé le jeu. Bonjour monsieur. Est-ce que vous voulez des gouttes pour les yeux par hasard? Il y a des sur la poitrine, je sais pas. Les symboles sur peut-être que ça dit quelque chose, mais j'arrive pas à lire. Ventre, lui, ça se voit qu'il a pas eu de kinoun quoi, il est en colère. Mais le saucisson, c'est la vie. Oh, c'est attends, les quinoons ou les bistouquettes? Les deux. Alors la bistouquette, en fait, c'est un petit saucisson pour ceux qui savent pas. C'est pas, en fait, c'est un petit saucisson, ouais. Donc quand tu dis tu manges les bistouquettes, c'est que tu manges les saucissons. On aurait dû mettre des glow sticks partout. Genre on aurait dû mettre une couleur pour le chemin le plus court, non? Oui, parce que maintenant, en fait, on sait pas où aller. Monsieur, ça... Ah, je crois que c'était le monsieur, mais non, c'était les cheveux de Pekania Carlette. Si, c'est pour savoir si... Mais non, mais là, regardez, on n'est pas passé à droite. Moi, j'ai abandonné Angel. C'est qui est mort? C'est Angel qui est morte. Ok, d'accord. Ouais, elle a pas couru assez vite. Du coup, quand on meurt, il faut faire quoi? Juste pour elle savoir. Repop, mais moi, je vais mourir. J'arrive, Angel. Deux. Non, meurs pas. On peut réanimer, je savais pas. Putain, c'était. C'est trop bien. Mais il a ouvert. Oh, j'ai un succès. Look at me. Non, on n'était pas passé. Revive a player for the first time. Oh yes. Bon, bah, coup, first blood, en c'était Angel. Je suis parti à droite déjà. J'ai choisi pour toi. Ouais, grâce à toi, j'ai eu mon premier revive. Avec les rouges là. Mais j'ai couru, je t'avoue. T'as bon enfoiré, va. Je peux pas. À droite, du coup, je suppose. Il y a trop de passages. Ils ont vraiment changé le labyrinthe et les mécaniques. Hein. En Espagne, plus rien à voir. Ils ont un nichon enfoncé dans les olives. Oh, parce que du coup, chez Estrée, dans sa région, les bistouquettes, encore une statue. Ok, lui aussi, il est clair. Attends, il y a un livre derrière. Il y a un livre derrière.
Quels sont tous ces statues? On dirait l'une d'entre elles porte le nom de Miles, même nom de famille que la femme qui a planté tous ces arbres. Ah, la statue a le même nom que la femme qui a planté tout là. Ah bah Ino, ok. Mais elle est à l'envers? Ah non. Et j'ai un levier du coup. Tu as appuyé sur le levier? Il est là le Red Room là. Tu as appuyé sur le levier? Non, je l'ai récupéré. Ah, excuse-moi. Si, si, il est passé normalement ton message, moi non. Ah non, non, c'était pas ton dernier message celui-là? Attends. Ah, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'avoue, ça me fait pas. J'avoue, j'ai pas trop peur parce que j'ai amené un mais je. Moi, oh my god! Je vais mourir! Resmi! En mode boum 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 boum. Hé, je vais mourir! Resmi! J'ai mal aux oreilles par contre, hein. Mais personne ne res! Délai d'hémorragie. Moi aussi, je suis mort, Pinker, t'inquiète. Mais en fait, il nous campe, je pense. Un joueur vient de mourir, il nous reste 9 vies. Oh no! On va perdre 2 vies d'un coup! Elle est où, Caro? Elle est là. Oh, waouh, waouh, il me manque. Waouh, elle a préféré Res Caro que moi, putain. Merci. Attends, je dis pas loin, il est pas loin. Mais ça va, c'est mort. Non, c'est mort. Mais moi, j'ai failli mourir, hein. J'ai su mon écran, j'ai craché dessus. Et Kenya, reste pas là. Reste pas là, petit biscuit. Ah là là. Il voit le chat. Oui, je vois le chat, bien sûr que je vois le chat. Mais c'est juste que je joue en fait en même temps. Donc, du coup, je peux pas lire le chat constamment. Je suis désolé. La musique de fable. C'est pas la musique de fable, non? Rien à voir. Je suis une fougère. Comment ça, Caro, avant moi? Bah ouais, il devrait me res, moi, en fait. Non, mais... Bah si, il a repopé. Bah si, il va revenir. Il est au... Il repop où, du coup? Bah, au point de sauvegarde. On va se cacher là. On va rester ici. Tu peux rien me faire, j'ai la musique. Non mais... Je sais pas si vous l'avez vu en fait parce qu'il fait un peu sombre. Il était littéralement devant moi en fait. Hein, donc... Celui du menu. Je viens d'aller vérifier, c'est bien la musique de Fable 2. Oui ? Bien, ouais. Bien, ah, t'es venu, bah, t'as pas vu le monsieur? Ben non. Ah, bah il était là, hein. On m'a dit que pour pas mourir devant le monstre, il faut pas bouger. Ah ah. Ah on est là, Caro. J'y crois pas pour rien, mais ouais. J'y crois pas du tout, en fait, ton histoire là. Ah, mais attendez, on a eu ça ou pas? On vient de là. Merde, oh là là. J'aime pas son cri de t'es mort là. Bouge pas. La meuf qui t'entend bouger. Éteignez vos lumières. Bande de menteurs. Goku, d'accord, ok. Il m'a tué quand même aussi. Bah, j'ai éteint ma lumière, hein. Coucou, boule pilon. Ça marche pas. Du coup, il n'y a que André qui est vivante, je crois. Là, on a eu des infos de chat. C'est une info de chat, ça. Je suis désolé. Ah là là. Mais m'en fous, il va prendre un Théo. Hein. Bah super. Il nous a menti. Tu oublies, éteins la lumière ou accroupis-toi. Attends, André me réanime, je crois. La formation, on la donne de A à Z. Non, peut-être pas 600 secondes quand même. Cachez-vous, les gars, ici, pas loin. Je sais pas où je suis. Je suis dans une fougère. Nous a menti. Nous a menti. On est mort. Attends, c'est qui que j'ai oublié? J'ai pas vu. T'as oublié, non, petit moi, biscuit. Bon, je suis en vie. Mince. Mais pas tort. Non. On n'a pas bougé. On a enlevé nos lumières et tout. Non, il y avait de la lumière quand je me suis fait tuer. Donc du coup, je sais pas qui avait sa lumière, mais il y avait de la lumière. Non, moi j'ai enlevé ma lumière et je suis vraiment restée dans la fougère. C'est pas facile. Je suis pas mort. Le contrôle avec les ongles là, par contre. Une trahison. Mais oui, trahison. Merde, biscuit. Ah où elle était, merde. Bah elle revient, elle est au spawn. Et du coup le spawn c'est la cabane? Oui.
cabane, elle est où? La cabane au fond du jardin. Elle est pas par là, non. Là, c'est moi, la suite. Je suis, c'est Ross, moi. Angèle, suis-nous, hein. Ah, livre, mon cœur. Oh. Trop bien. Il faudrait qu'on mette, par contre, les petits glowsticks. Attends, là, bouge pas. Mm-hmm. Attends. Bah en fait ça rejoint un autre passage ici parce qu'il y a des glow sticks au fond. Ça fait une boucle. Mais non parce que j'avais plus dans ma main. Mais ça, mais c'est. Donc, l'info, c'est l'info n'est pas fausse. Il faut juste éteindre la lumière. Ouais, qui n'a pas éteint la lumière? Bah on n'avait pas l'info de la lumière. Moi j'ai éteint la lumière donc du coup c'est forcément toi. C'est forcément toi, vas-y, hein. Secteur, bonne pause. Mais pose-moi du bon pendant qu'on y est. Non, mais c'est bon, on sait, hein, on se sait. On se sait. Alors, regardez, il y a un passage glowstick, là. Prends tes gouttes. Ok, ok, je vois, c'est où? Bah, c'est là qu'on s'est fait tuer, c'est là qu'on s'est fait tuer. Que je me suis fait tuer, en tout cas. Ah. Du coup, on va où? Bah, je sais pas, je continue de voir, parce qu'en fait, il faut qu'on trouve un autre levier, je suppose. J'adore, on a mis vraiment des glowsticks, hein. Ok, bon bah on a visé parti, tout ça. Coup, hein. Là par exemple, on n'est pas parti, il n'y a pas de glowstick. On n'est pas parti là. Okay. Non. Il y a un livre. Bon, juste un coup. Tu vois que ça sert de mettre des glowstick. 30, presque 30, hein. Ah, incroyable. Attendez, je suis à 21 moi. Voilà. J'ai en aucun moi. J'appuie sur 1 en fait. J'en ai raté un au tout début. Ah là, on est un peu sur le retour. Là, j'ai la lumière. Okay, très bien. Ouais, on est sur le retour. On est au début, on est au début là. Ouais. Si on va à gauche, on va aller vers l'endroit des leviers justement. Ouais, bah justement, je vais pouvoir mettre le levier. Peut-être qu'il en faut pas deux. Peut-être qu'il en faut que 3. On n'est pas allé à droite, Areux, regarde. Oui, ah oui, on n'est pas allé là. Ouais. Merci. Mais c'est pas toi qui as dit on fait le tour? Ah non, pas du tout. Non. C'était pas là. Merci beaucoup, Raven Wolfire, pour les 5 euros, c'est très gentil. Et j'ai pas vu ce que t'as écrit. Attends, pour pas qu'il vous attaque, il faut faire le poirier en chantant une souris verte. D'accord. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Putain, je l'attrape par la queue. Oh la main, pas passé, messieurs. Ses neveux. Ouais. Merci beaucoup pour le follow. C'est ah, bah il y a un levier. Bah, c'est plus. Voilà, on a le. Il y a un livre. Bah, c'est bon. Voilà, on peut maintenant. Vous savez, c'est où? Je sais pas si je peux te dire les informations sur le premier monstre, mais en tout cas, je peux te dire. Ah. Attends, j'ai plus de glowstick. Non, moi. Les gens, j'ai plus de glowstick, j'en ai plus aucun. Il y a plusieurs. Mais non, prends-le, t'as dû l'enlever. Non, j'ai pas de glowstick dans ma main. Il y a juste ma main. Ah merde, donc il y a une limite. Mais c'est illimité, normalement. J'en ai pas beaucoup donné, moi, par rapport à vous. Mais je suis mort 2 fois, donc peut-être que c'est ça. Ou 3 fois, non, je sais plus combien de fois je suis mort. Bah, j'ai plus de glowstick. Voilà. Bougez pas. Dans les buissons. Je crois qu'il faut pas parler non plus. merci. Il faut pas parler, chérie. Bonne après-midi à toi. C'est bon, je crois. C'est bon. On sait qu'on pouvait parler, mais on pouvait juste pas bouger. Pas mais chérie, si on parle dans le jeu, il nous entend. Mais j'en sais rien, moi. Est-ce qu'on est sûr de cette info? Et je fais pas de jeu d'horreur, moi. Est-ce qu'on est sûr de cette info? Bah, je suis quasiment. Vaut mieux ne pas parler et que se faire attraper. Tu te tiens à côté de lui, il va te sentir donc comme tu es. C'est bon, t'es debout? Donc là. Non. La hitbox se détecte. Quoi? C'est bon? Ça m'a l'air. Je sais pas.
pas où je suis. Ça marche pas. On t'arrête ? On t'arrête, mon cœur ? Mais putain, il y a tout le monde qui lui dit des choses différentes. Elle est où, ma chérie ? Ah, il t'a pas tué ? Il t'a pas tué alors ? Mais bah si, ça a marché, tué, ça a moitié marché en vrai, les gars. Ça a moitié marché. Alors, moi j'ai pas. Oh putain, il est là, il arrive. Courez, courez. Je sais pas où, mais courez. Je suis derrière. Oh non. Caro. Ah non, c'est Angel. J'ai pas confiance dans ton chat. Mais c'est même pas mon chat, c'est des gens qui arrivent random. Oh putain, on y est. Vite, fais l'énigme. Si on est deux, en fait, on peut quand même réussir. Le hasard, c'est le hasard. Oui, ça marche. Let's go. Fi. Mais attends, faut les attendre. Non, non, je crois qu'on peut le faire sans elle. On peut, je crois, oui. Si on arrive à valider l'énigme. Oh non. Ouais, mais elles veulent peut-être voir, je sais pas. C'est une nouvelle zone. Faut qu'on aille chercher en vrai. Genre, c'est une nouvelle zone. Allez, on va aller chercher. Ouais, c'est une nouvelle zone, allons, on va aller chercher. Ouais. Mais faut mettre des glow sticks, j'en ai pas moi. J'en ai pas vu. C'est bon, d'accord, Caro. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu sauver Angel parce que le monstre me campait. Ah merde. Et t'as réussi à t'accroupir ? T'as réussi à t'accroupir et tout ? Je me suis pas accroupie, non, je me suis juste cachée derrière le buisson sans lumière et tout. D'accord. Apparemment, faut pas rester sur le chemin où il marche, mais moi quand j'éteins ma lumière, je sais pas où je suis. J'avoue. C'est pas le problème. Je sais pas si elle arrivera à trouver le chemin en fait en suivant les glow sticks. Parce qu'il y a tellement de glow sticks partout en fait. Totalement au hasard. En vrai, on aurait dû juste dire genre une personne suit les glow sticks et en fait on suit que les bleus ou que les rouges, que tu vois. Ouais. Genre... Oh shit, il arrive. Elle arrive, elle est là. Oh yeah, GG, elle a réussi à trouver le chemin. T'inquiète. Vas-y, viens, on a réussi à faire l'énigme. Venez. Chérie, viens. Allez. Let's go. Posez vos glow sticks, qu'on sache. T'as pas besoin d'éteindre ta lumière, sachant qu'il est aveugle. Donc apparemment, le monstre est aveugle. Oui, bah un faux chat, j'ai envie de dire. Il y a personne. Ouais, faut pas bouger. Moi, il y a deux secondes, on vient de me dire, faut courir et le semer. Ouais, en fait, personne ne sait quoi. Mais en fait, c'est des gens qui arrivent random en plus dans le chat, alors. Bah, tu les écoutes pas, les random. Ils ont personne. Perso, je serais obligé de courir, j'ai trop peur pour pas bouger. Mais depuis tout à l'heure, je fais pareil, je te rassure. Je pense que le monstre, il dit gros Goku. Gros Goku ? Red Room, en fait. C'est vrai qu'au début je pensais que c'était Seros et j'ai pas vous les écouter. Mais c'est pas moi, mais genre c'est moi, tu crois. On veut croire en notre communauté. Tu sais que mon Gexilla il est cassé, hein. Il est cassé, mon Gexilla, quand je le fais ça coupe le son. Des effets sur ta voix et tout. D'accord, mais tu vois, j'aurais plus tendance à croire Saphir, tu vois, pour le coup. Attendez, regardez par terre au cas où il y a pas des. Ah ouais, j'avoue. Bouquin ? Ouais, on a pas regardé. Livre. Angel ? Oui ? Oh putain. Ah, mais c'est vrai, c'est bon, c'est ressorti. Ouais, faut rentrer le message maintenant. Alors c'est E. Equinox. F, c'est quoi le bouton ? Quel bouton ? Je sais pas si je peux manger. C'est le droit dans la voiture, comment tu vas ? Ah, il faut maintenir le bouton E. T'es sûr ? Oui, je te croirais toujours. Dis donc. Tu vois, un pseudo gros Goku, mais c'est gros goût. En fait, ce qui est très rigolo avec cette énigme-là, qu'on l'avait fait avec Linono, il fallait mettre le jeu en ultra parce que tu voyais pas ce qui était écrit sur les. Ah ouais? Ouais, c'était. T'as pas c'était... une bonne carte graphique en fait, c'est mort. Bah oui, tu peux pas jouer au jeu. Là, c'est le même problème là. Non, c'est bon là, j'ai dit. C'était juste que quand j'avais joué au jeu à l'époque. C'était ça le souci, tu vois. Désolé, je prends du temps parce que c'est très lent. Non, mais t'inquiète. C'est toujours l'heure du saucisson. Toujours. C'est l'heure du saucisson? Oh, les saucissons, j'ai envie de saucissons. Oh mon dieu. Je du saucisson à la bouche. C'est quoi cette équipe là? En fait, j'entends du bruit, mais je sais pas si c'est mon voisin. Let's go! Voilà, yeah! On a fini! Un livre! Le livre! Le livre? Oui, ah, là! Oui, là, il y a un livre. Et une sauvegarde! Oh no! One! Yes! Ça, c'était un peu vite, hein? C'était violent. Ah oui, faut récupérer ça. C'est une lampe. Une meilleure lampe. Okay. Donc en gros, c'est une lampe qui éclaire globalement, et tandis que la lampe torche éclaire devant, en fait. Oui, d'accord. Et du coup, ça a fait la sauvegarde, là ? Oui, c'est sauvegardé, là. Oui. Ok. Il y a des lanternes de rechange ici, il y avait une cassette qui parle de l'histoire. Il y a encore les glow sticks ? On a encore les glow sticks, ok, très bien.
J'en ai pas, non, attends, il y en a. Bah, essaye de faire bouquin. Deux, voir si tu fais deux, ça fait quoi. Ah si, c'est bon. Oh, j'ai rien dit. C'était deux. Oui, c'était deux, en ouais, fait. C'était deux. Quoi ouais. Oh, trop dommage. Bah, de quoi, de quoi. Les glow sticks, c'est en fait par zone. Arrête de me défier la ville, tentatrice. Et donc appuie sur deux, mon cœur. Bah là, on a fait une nouvelle zone. Il faut faire deux. Appuie sur deux, t'as des glow sticks, pourquoi tu dis ça. Non, c'est pas par là. Non, pardon, pas les glow sticks, les livres. Ah ok d'accord, ah, oui. Bon, on a trouvé 21 sur 30, il en manquait 10, ouais. Bah c'est pas grave en fait, c'est pas ça le but du jeu on va dire. Hein. Bah si. Ah bon, c'est comme pour moi les 10 pages là. Alors Kyle qui dit, je suis parti voir sur internet, le monstre ça se dit que le bruit est très important dans le jeu. Ouais. Oui d'accord, donc il est bien aveugle je pense. Enfin, il m'a tué, effectivement j'ai pas vu d'œil, donc éventuellement il a peut-être raison. Oh, bon, on m'a dit dans le chat, et je crois cette personne qui est là depuis très longtemps, il mélange les mobs. Je ne suis pas étonnée. Il mélange les mobs ? D'accord. Oui, bah apparemment, en fait, il donne des infos, il mélange les mobs en fait. Ouais, donc ouais, comme d'habitude, c'est comme quand tu joues à un jeu, les gens ils font ouais, pourquoi tu fais pas ça ? Et je fais bah, on peut pas faire. Par rapport à petit bout, Tib, voilà. Tib. C'est juste ça. Ah oui, le lore, faut expliquer le lore de Tib. Ouais, ouais. Je m'appelle Gros Bou. En espagnol. Mais en vrai, en fait, je vais m'appeler Gros Biscuit. Qui peut nous expliquer je vais m'appeler Gros Biscuit maintenant. Quoi ? Il y a un papier, là. Oh, le crossover. Un crossover, ouais. Alors, attendez, il y a quelque chose derrière les portails. Je peux l'entendre respirer. Oh, il y a un livre ! Je peux pas. Il est si proche et à la fois si. Non, attends ! Je l'ai ! Yes ! Oh, l'enfoiré. Oh, vas-y, je vais tester, moi. Comment il a fait ? Bah, t'avances, je veux que tu vois la loupe. La loupe ? Yes ! Oui, je l'ai ! Je l'ai aussi, speedrun ! Donc là, on a changé de zone, donc on a potentiellement un autre monstre, c'est ça ? Il y a potentiellement même deux monstres. D'accord, c'est ce que j'allais dire, en fait. J'allais dire, est-ce qu'il y a un nouveau monstre ou est-ce que l'ancien aussi est là ? Il y a les deux. C'est une bonne question. Mais vraiment, moi, ça fait trop longtemps que je l'ai fait, le jeu, je ne m'en rappelle pas. Est-ce qu'il y a des niveaux de difficulté ou pas ? Débloquer le livre. Non, je crois pas, non. J'ai pas vu de difficulté, en fait. Yeah ! Si, on est en mode normal. Ok, d'accord. Bon, il y a des difficultés. Hello ? Vous avez mal au ventre, monsieur ? Vous voulez un specteur ? Pequeñita Galletita. Ah, mais faut que tu te rename, petit biscuit. C'est pas Pequeña Galleta, c'est Pequeñita Galletita. Mais c'est quoi le lore derrière ce pseudo ? Parce que moi, j'ai pas compris, j'ai pas suivi, hein. Mais peut-être, mais c'est quoi ? C'est la pote à Stéphane, ouais. On n'a pas mis glow stick là, les gars. Ça veut dire quoi ? Petit biscuit en espagnol ? Il a joué à Six Nights to Die, c'est Ross, en fait, il a joué à Six Nights to Die, Stéphane. Sauf ouais. Que quand t'allumes le jeu, il est en espagnol. Oui, d'accord. Et il m'a sorti, putain, comment on dit petit biscuit en espagnol ? Et du coup, Pequeñita, ok, d'accord. Mais c'est cool, ça peut. Pequeñita, tu vas changer, Galeta, tu vas bon, changer tout ton lore en fait. Pequeñita Galleta, c'est bon. Il y a un livre. En fait, c'est vraiment pour accentuer le petit mignon et tout. Non, mais je suis pas mignonne, moi. Si quelqu'un d'autre se trouve enfermé ici, je suis désolé. Je ferme la porte derrière moi. Cette chose m'a suivi dans le labyrinthe depuis que j'ai tiré le levier. Je peux entendre ses bruits de pas et sa respiration. Je dois m'en éloigner. Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer en sachant qu'elle me suit. Il s'appelle Johan. Le pied de Stéphane sur le levier. 5 sauts. Déverrouille la porte principale cachée dans le labyrinthe. Champ coché, serre, cage bougée. Terrain de jeu 5. Ah oui, ça a ouvert la porte. C'est cool qu'ils soient en français maintenant le jeu. C'est génial ça. Cool, donc ouais. Là en fait il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs endroits à fouiller et il y aura donc plusieurs énigmes ou des pièces. On doit récupérer 5 pièces et 5 pièces qui sont cachées dedans. Il y a une énigme, je me rappelle, je l'avais fait avec Andy. Non mais il est pas là les gars, il est de l'autre côté du mur. Il peut pas venir ici, c'est la zone de fin. Il y a une énigme en fait avec il faut faire des potions. Okay. Ça va être horrible. Sachant qu'il y a des monstres qui te poursuivent en même temps. Ça te ah, pas la ah non, bah, c'est pour moins bien ça. Ouais. J'aime pas. Ça s'appelle pas labyrinthine pour rien. On va faire... C'est pas le même monstre ça.
sais pas. Ils ne sont pas suivis, ils ont peur. Je crois ça. Corinne, comment chut, tu vas? Chut, chut. Oh, merde. Corinne, ta gueule. Merde, il y a quelqu'un qui a donné 50 euros, putain, fais chier. Attends. C'est qui, Corinne? Attends. C'est pas le moment. Bon, plus sérieusement, merci de nous divertir quotidiennement et surtout merci de m'aider à travers tes vidéos à lutter contre les insomnies et les coups de blues. Merci beaucoup, Raven, pour les 50 euros. Tu sais pas à quel point ça me fait plaisir. Et je suis content de pouvoir t'aider à vaincre ton insomnie. Merci du fond du cœur. C'est très gentil. Merci du soutien. Merci, merci pour les 50 euros, merci! Si, merci! Pourquoi la musique? Il pourra payer son voyage au Japon! Ouais! Vous avez entendu la musique? Caro, elle est où? Oh, l'ambiance! Caro! Elle est où, Caro? Ah. Suis les glow sticks! Moi aussi! Suis le truc! Petit tic, comment tu vas? Merci pour ta série! Pourquoi ce portail est ouvert? Oh, les filles! Attends, Caro! Le portail est ouvert en fait, on a fait tout ça pour rien! Le portail de derrière est ouvert. Quel enfer. Oh non. Ça veut dire que, vous savez, rappelez-vous, quand on va respawn là-bas, à droite. Hein. On va respawn au fond là-bas. Oui. Donc ouais. Peu importe là où on est, peut-être on peut prendre juste un raccourci à droite pour y aller plus rapidement. Ça va, Titi, tranquille. C'est la merde. Ah, la musique me fait un peu peur, je vous avouerai. Mon cœur. Caro, c'est surtout ça en fait. C'est pas Caro. Non, c'est pas Caro, non. Caro? Ah merde. Bon les gars, c'est la mort hein. Ah, elle meuf toute nue et tout. C'est un autre perso? Elle est où, petit biscuit? Ouais. Tu mens. Elle a... Ah, et Caro? Tu peux me réa si tu me trouves, mais c'est trop tard. Ah, t'es là. Ouais. Ah, vite! Oh, il me reste un poil de fion! Il a senti l'odeur du petit biscuit. Putain, fais chier! Caro est morte? Ouais. Elle fait quoi? J'étais voir sur son live. Elle revient pas parce que le monstre il est parti par là-bas. Hein. Il est juste là. Kana, tu peux enquêter s'il te plaît? Oh putain, c'est pas Caro ça! Elle est où, Caro? Elle est où, Caro? Elle suit les trucs de lumière. Elle est pas morte alors? Elle est en vie? Pourquoi vous dites qu'elle est morte alors? Eh, le portail s'est ouvert parce que quelqu'un a tiré le levier là en fait. Oui, c'est moi qui ai tiré le levier, sinon on pouvait pas avancer. Ah, mais c'est toi qui as ouvert la porte du coup. Mais on est obligé, sinon non, je vais revenir à sa rencontre. Non, mais cette porte là, je te parle. Elle est en vie? Mais si elle est en vie en fait, elle va juste croiser un autre monstre. Il avait faim. Caro? Caro? Oh putain. Oui. Oh, je te cherchais. Bah, je vous entendais pas. On a. En face. Y'a le monstre. Oui. Go. On retourne à la sauvegarde. Y'a un livre là. On te cherchait en fait, Namour. Bah, je vous cherchais aussi. Et t'as le chat qui me dit que t'es mort et que t'es retourné à la sauvegarde. Non, c'est pas par là. Oh putain, mais en fait, le problème c'est que tous les portails sont ouverts et du coup, maintenant on va se perdre. C'est là, en face. C'est bon. Chérie. Merci beaucoup. Chérie, viens, on continue. Il a arrêté de nous suivre. Merci beaucoup pour les follow. Aventurier Petit, encore ? Merci beaucoup pour le... Aventurier Petit, tu es redevenu un sub encore ? On t'adore, on aime te voir souffrir, bonne continuation à tes projets. Oh, c'est gentil, longue vie à ta Séros, longue vie à Cognité Gloire à ta Séros. Oh, c'est trop mignon, merci. Merci. C'est gentil, merci du fond du cœur, vous êtes gentil, vous êtes mignon. Alors, le nouveau monstre, en fait, il est différent. Oui. C'est pas par là, mon cœur. C'est pas grave, viens. En fait, chérie, faut que tu saches aussi que dans cette map là, on va lâcher des machins. Il y a un livre là. Il y a. Dans cette map là, en fait. Lâcher des glow sticks. Dans cette map là, la différence c'est que. Il faut vraiment trouver les 5 pièces.
Et c'est super grand en fait. Et on peut se... On peut se faire séparer. Non. T'es morte ? Oh putain. Non, c'est bon. Donc tu vois, genre j'allais justement y venir, tu vois, les racines vont essayer de nous séparer comme ça. D'accord. Attends, bah avance pas trop. Comme ça on reste ensemble. Ouais. Pire, on meurt ensemble. Oh. Ensemble dans la mort. Okay. Mais avance pas trop, hein. Bah avance. Oh mon dieu. Oh shit. GG, c'est bon. C'est bon. Ok. Ouais, ouais. Oh, regarde en face, c'est bon, on a trouvé un endroit d'énigme. Oui. D'accord. Donc il est important en fait qu'on trouve tous les énigmes. Donc là, il y a une chaîne. Il y a un livre ici, regarde. Et une cassette. Du coup, petit biscuit et Angel sont séparés ? Bah pour le coup, je sais pas où elles sont parce que moi je suis venu te chercher et je ouais, sais pas où elles sont. Beaucoup. Comment on sait du coup pour l'énigme là ? Viens, suis-moi. Chérie ? Attends. Suis-moi. Je pense que les racines de toute façon elles vont se résorber à un moment donné donc on pourra repasser par les chemins. D'accord. Mais sur le coup, en fait, par exemple, tu peux te faire poursuivre par un ennemi. On va aller tout droit puis à gauche si jamais. Ok. Ok, c'est un cul-de-sac. Ok. Donc on va à droite. Je crois que là il y a une énigme. C'est le champ ? Non, c'est pas le champ. Alors, ça, c'est une énigme. Un bug bizarre sur l'âge de Seros, ça lag. Et heureusement qu'il a dit que tu l'avais aussi, parce que je suis venu voir si ça se passe mieux. D'accord. Ah bon, ça bug ? C'est pas comme bug chez Seros du coup ? Bah, chez moi, ça va. Normalement, le live il a l'air cool pour l'instant. Alors, moi, j'ai baissé les graphismes, donc c'est peut-être moins beau le jeu. Mais au moins. Ça bug pas, me dit Kana. Au moins, voilà, ça rame pas. C'est se tromper dans l'ordre, il insiste tout. Fait un petit F5. Commencez ici, le prochain est celui de droite. Alors, chérie. La plupart de ces trucs ne tournent pas, mais l'un d'eux a éclairé mon cœur. Tuile. Oui. Ça, c'est le début, ici. Il y a, c'est écrit là, c'est le début. Oui. Le premier. Oh, chute. Oh non, je voulais pas faire ça. C'est pas grave. Le premier est à droite. Donc, lui, c'est à droite. En fait, là, il faudra trouver l'ordre. Dans l'ordre initial, du tout. Il faut juste trouver l'ordre. Ça va juste se réinitialiser au bout d'un moment. Donc, du coup, là, c'est par exemple, tu fais 1. Là, c'est 2. Là, on va tester. Ici, c'est 3. Et ça marchera pas. Donc, du coup, je pense que ce sera le. Il me semble que c'est peut-être celui-là. Ah, ça a réinitialisé. Attends, vas-y, je le mets. Donc, oh boy. 1. Faut juste trouver le 3. On va voir si le 3, c'est ça. C'est bon, c'est ça le 3. Chérie, si jamais on doit fuir, faudra juste resuivre les glow sticks bleus pour revenir ici. Hein. Ouais. Donc, chérie, le 3, c'est là. Hein. Ça, c'est 3. C'est bon, je l'ai fait. Ça efface celui de... Ça, c'est... On est où ? Ah, t'as réussi à réaliser ? Oh my god! Oh Vénèse! Merci beaucoup, Aventurier Petit, pour les 5 subs offerts à la communauté! Merci du fond du cœur! Merci, tu gères, c'est gentil! J'ai eu trop peur! Oh non, je voulais te raise, excuse-moi! Putain! Elle est toute seule maintenant! J'espère que ça ira! La musique elle est trop bien. La musique est trop bien. Il va juste voir un pneumologue comment il respire. Ouais, j'avoue que là au niveau des. Au niveau de la respiration, ça va pas alors. Donc c'est bien moi ici. Alors, je vais suivre. Oh non, c'est pas moi. Wait. Alors,
c'est bon. Coucou. Je suis là. Ouais. Oui. Désolé, tu t'es sacrifié pour moi. Je t'ai dit de courir, t'es bon. Et en plus... On dirait un vrai film d'action. Bah ouais. Mais j'ai voulu te raise, mais c'était trop tard. Je crois que les filles, elles ont fait l'énigme. Hein. Il y a eu un objectif mis à jour. Il y a eu un objectif mis à jour, ouais. Alors, ça a un... Chérie. J'entends rien. J'ai entendu un seul, moi. C'était de ça, en fait. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Attends. Un. Oh, mais si ça, ça fait le bruit des monstres aussi, là. Oh. Un. Deux. Trois, c'est celui-là. Hein. Ah, merde, oui. Désolé, j'ai trompé. Si. Un. Deux. Un, trois. Deux. Trois. Quatre, peut-être ? Non. Non. Attends, vas-y, je fais le 1. Un. Deux. Trois. Alors, je vais essayer celui-là, en face. Attends, non, laisse-moi. Laisse. Reste là-bas, toi. C'est bon, 4, c'est ça. 4. Vas-y, 5 peut-être ? Oui. 5. 6. Non. Non, pas 6. Okay. Ok, allez, on recommence. Donc, attends. 1. 2. 3. 3. 4. C'était 5, c'était celui-là. Je tête celui-là, oui. Regarde. Je tête celui-là. Oui. C'est bien celui-là. 5. 6. 7. 7. 8. C'est bon, on a réussi. Yes. On récupère la pièce. On a une pièce. Yes. Ok. T'as la pièce par contre au cas où si je meurs ou non, 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 il n'y a que toi qui l'a, je crois. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc il faut sortir d'ici. Maintenant, il faudrait. Il y a une lampe en haut. C'est bizarre. Il y a un livre là. Il y a un livre ici, ouais. Ouais, il y a une lampe, c'est juste pour le lore, ça, je pense. Viens, on continue par là. Yes, coucou Terence, j'espère que tu vas bien. On continue par là, on va peut-être rencontrer les filles. Ouais, ouais. Spam tes petites loupiottes, là. J'adore en fait que c'est un jour on était à 4 et maintenant on est vraiment séparés, quoi. On est à 2, ouais. Merci d'être venu me chercher. Je vais pas te laisser toute seule. J'ai un petit lag, moi. Un petit freeze. Merde, gauche ou droite? Oh, fuck, droite. Oh là là, encore. Droite. Ok, y a rien. T'es où toi? Ah, on n'est pas parti sur le même droite, chérie. Chérie, mais y a qu'un seul droite, mon cœur. Mais chérie, t'es parti à gauche. Je suis pas parti à gauche, je suis parti à droite. Non, t'es parti à gauche. Il y avait encore à gauche. Shit. Ok, c'est bon, c'est parfait. Bon, c'est passé derrière nous. Yes. Les lumières qui s'éteignent. Bon, j'ai récupéré une pièce. J'aime pas les enfants. Oh, les pauvres. Mais eux, ils t'aiment bien. Il y a un livre à récupérer, il y a une... Une cassette. D'accord, il faut mettre la lampe torche devant la... D'accord, il faut... ouais, mettre la lumière dans ses yeux, en fait. Ouais, la vieille femme. Est-ce que la vieille femme, c'est celle qui était à poil? Je pense que c'est la madame toute nue, là, et toute... Chut. Je suis mort? Non? Chérie, t'es où? Je suis vivante. Mais t'es où? À la cour de récré, là. Ah! Allez, viens, viens, viens. En fait, c'est les filles, peut-être, de l'autre côté. Je les entends parler. Oui, j'entends Petit Biscuit au loin. Viens, viens. Bon, ça veut dire qu'on est pas loin, là. Ça veut dire qu'on est pas loin, là. Attends, j'ai pas mis de glow stick, mon cœur, attends. C'est pas grave, suis les miens, suis les miens. Oh non, elle est morte. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Viens. Mais où tu es? Caro? Oui. Ah bah il me fait pas ça. Mais je t'ai dit attends, j'ai pas mis de glow stick. Mais tu peux faire ça en marchant. Et coucou Stéphane, j'espère que tu vas bien. Bah il fallait mettre derrière. On trouve le chemin vers la cour de. Mais tu as mon bleu, tu as pas besoin de du rose. J'ai pas vu bleu moi. Il y a du bleu partout. Oh attends, il y a un bleu là. Feuilles partout. Oh, on a tourné en rond. On a tourné en rond. Merde. Ah bah viens, suis-moi. Bah c'est cool d'avoir mis les roses du coup. Oui. Non, non. Mais ça c'est une dead end. Dead end. Je suis retourné à gauche. Dead end. Ah, on peut pas passer par là, Il y a les feuilles. Hein. Ouais, viens, on va essayer de trouver un moyen de reprendre le chemin principal. Il y a les feuilles aussi là encore. J'espère que tu vas bien, Steph. On est sur labyrinthine et c'est compliqué.
Chérie oh. Ok, ça s'est fermé derrière moi. Viens, à droite ici. Mais avance. J'avance. Je vois pas pourquoi tu aimes rester. J'entends un truc. C'est bon, c'est bon. Ah non. Non, non, chérie, chérie, reviens, reviens, reviens. Du Céros. Mais je suis là. On est derrière vous. Oh putain. Mais putain, oh vous êtes vraiment bigleuse. C'est incroyable. Oh, oh. Ben, on est pas bigleuse, on n'a pas regardé derrière nous. Oh. Ben, j'appelle, je crie, vous retournez même pas. Mais parce que on n'entendait pas. En fait. Ah. Il y a le monstre. Venez. On a trouvé deux pièces. J'en ai trouvé une aussi. On a trouvé l'endroit où il y avait les potions, mais. Ah, il faut le faire du coup. Ouais. On n'est pas allé par là. Genre on a été séparés gars, longtemps. Les gars, on n'est pas allé par là. Ok, oui. Ok, oh là là, c'est bon, viens. Allez, elle veut passer par là. Oui, c'est flippant le jeu. Mais non, mais faut pas les endroits où on n'est pas allé. Oui, mais il y a la madame. Pas. La madame, faut lui mettre de la lumière dans les yeux. Angel est ah où ouais Angel est là. Je suis là, bon. Je suis là. C'est ce qu'on a vu sur un message. Oh putain, t'es non toute seule. Fuis, fuis, biscuit, fuis. Les filles, on a pas le choix, venez. Là, j'entends le bruit, je suis. Ouais. Lunax, merci beaucoup pour les 12 euros. Merci à toutes des vidéos depuis 2020. Tu es ma source détente anti-stress de bonheur. Merci du fond du cœur, c'est très gentil. Il y avait le monstre sur moi. Mais comment c'est ça vrai? Bah oui, il y avait le monstre sur moi. J'entendais sa respiration et il marchait et tout. Ah j'ai failli mourir. On va par là? Vous avez failli m'abandonner là. Mais pourquoi t'étais pas avec nous? Non, mais parce que je me suis demandé où t'étais. Mais parce qu'il y avait le monstre et du coup je me suis cachée, j'éteins ma lumière et tout. Bah voilà, on t'a pas abandonné, tu t'es cachée toute seule. Mais y'a le monstre. T'as pas dit qu'il y avait le monstre? Si, si, y'a le monstre, putain, je t'assure. Droite ou gauche? Allez, droite. Aventure petit, tu feras une nouvelle boutique de vêtements. Je vais mettre à jour la boutique. La boutique est déjà là en fait. Hein. C'est le lien est dans la description. C'est Céros.store. Ah, petit livre. Ouais. Très bien. Céros.store. Mais par contre, je vais peut-être quelques nouveaux modèles dans la boutique dans pas longtemps. Oh. C'est visage de concentration. À droite. Il y a pas de glow stick. À mourir. Tout droit ou à gauche? Tout droit. Moi j'ai de la musique. Je suis nul en labyrinthe pour les gars. Pas. J'ai la musique qui. Oui, nous aussi on a la musique en cœur. Elle est glow stick de Biscuitos, je crois. À gauche, il y a du monde. Coucou. On est à nouveau dans le parc d'enfants. On a tourné en rond, putain. Oh merde. Putain, je suis tout seul. Oh non. On a perdu un joueur encore. Putain, on a perdu deux joueurs. Je suis tout seul. C'est quoi ce jeu de merde? C'est quoi ce jeu de merde, les gars? Perdu dans ce labyrinthe de merde.
Bon, apparemment, heureusement qu'il n'y a pas de... Oh. Oh merde, j'ai trouvé. Oh flûte. Alors, et je suis tout seul. Je suis tout seul ici. Donc du coup, il faut que je trouve l'énigme tout seul, les gars. Ça va être compliqué. Donc, il y a le jeton qui est là. Allô ? Hey, petit biscuit ! T'es où ? J'arrive. Oh non, ils ont encore mort. On va perdre avant. Avant de réussir à faire le truc. Il faut qu'on fasse l'énigme, vite, vite, vite. Oh putain, elles sont mortes toutes les deux d'affilée en fait. On a ce qu'il faut. Ah putain. Alors, C'est Vine. Ok, c'est C1, CB, SO, CB, CH7. J'avais littéralement écrit ça, je crois que j'ai effacé. J'ai littéralement effacé ce document il y a deux jours, je crois. Sur mon. Oh, non, mais je savais pas que j'allais rejouer. C1. C1, alors. Ou CI, je sais pas. C'est I, C, B, S, O, C, B. Ouais, ou c'est la solution bleue tient le coup de pouvoir laisser CL dedans. Je comprends pas les C'est les I reacting with yellow and green dye. Need to swap it with a bottle. Rouge a une fuite. Donc c'est I, c'est 1 n'est pas dans un jaune ni dans un vert. Je devais bouger CH7 du rouge au jaune. Donc CH7 c'est jaune. J'ai besoin d'un autre. On voit les couleurs du truc, non ? Oui. SO est vert. Ok. SO c'est vert. Valve en red, vert, leaking. C'est le premier. Donc, la valve du rouge fuit. Il ne faut pas utiliser SO ou CH7. Le bleu tient bien. Ça devrait être OK de laisser C1 dedans. Donc, le bleu, c'est du C1. Garde okay. Ça. Écris-le quelque le part. Le bleu, c'est l'avant-dernier. Bleu, c'est C1. Ou pas écris... Non, mais écris-le peut-être, non ? Genre, je fais un papier. Attends. Ouais. J'ai du papier. J'ai du papier. CB casse dans toutes les bouteilles, sauf le rouge. Ah, c'est bon, t'as un papier. Tu m'as dit quoi, c'est un bleu. C'est un bleu. Ouais, ok. CB rouge. Ok. SO, c'est vert. SO, vert, ouais. Et du coup, le dernier, c'est jaune. Ah, to move CH7 from red to yellow. CH7, c'est jaune. CH7, ok. On a tout. Je pense bon. Qu'il y en a que 4, donc je pense donc que ça oui. Fait C1, CB. SO. Donc c'est un. L'ordre dans lequel il faut les mettre. Oui, okay, oui, alors, c'est l'ordre. C'est un. Ok. CB. CB, ouais. SO. Ouais. CB. Ah. CH. Oui. Alors c'est jaune ou c'est vert? Putain, je vois pas. Attends. Là, ça s'évapore, tu t'es trompé, je crois. Bah, on recommence. Tu m'as dit bleu. Bleu en premier. Ouais. Donc c'est un. Après rouge. CB. SO, SO c'est vert. Et pourtant je fais. Mais c'est bizarre parce que quand je tourne des trucs, ça se tourne. Ça se tout tourne ? Mec, par exemple, j'ai tourné le bleu. Ouais. Et tu vois, il est retourné tout seul. Ok, attends. Attends, toi t'as juste les couleurs toi du coup ? Regarde le premier message couleurs, du coup. Un joueur vient de mourir. Mais arrêtez de mourir, les filles. Bah ouais, mais si elles ont le mob sur elles, les pauvres. Alors, CB casse dans toutes les bouteilles sauf le rouge. Donc, CB, c'est rouge. Blue dye, hold up well. Donc, CI, c'est bon. CI, c'est donc bleu. Valve on red, leaking. Don't use SO or CH7. Valve on red, leaking. Donc, le rouge, ça fuit. Et ne pas utiliser SO ou CH7, ok. SO, c'est vert. Il n'y a pas de fuite. Add to move CH7 du rouge au jaune. Donc CH7 est dans le jaune. Ensuite, ici, c'est quoi? C1 reacting with yellow and green. Ok, donc ça, c'est bon. Et là, et ben là c'est juste le sens. Donc du coup, c'est bon les couleurs, je crois. Mais je pense que le problème, c'est pas le rouge du coup qui fuit. Non, vas-y, redonne-moi les couleurs à faire. Je fais les couleurs, moi. Par rapport à si tu as les couleurs. Attends. Alors, C1, c'est bleu. Ah, attends. Je recommence. Bleu. Ok. Bleu, rouge. Bleu, rouge. Vert. Vert. Rouge. Rouge. Jaune. Jaune. Bleu. Bleu. Rouge. Rouge. En fait, tu m'as donné. Tu c'est bon. T'es trompé quand tu m'as donné le truc. Non ? Si, parce qu'en fait, quand tu m'as dit SO, tu m'as dit CH7 après, alors qu'il y avait CB entre les deux. Ah ! Excuse-moi alors. C'est pas grave. Bah c'est ce qu'on fait pour c'est bon, on a réussi.
Yeah. Oh. Mais par contre, il faut. Ah, il y a. Il y a du lore. On a tous les sauts. Bon, faut y aller parce que si on peut mettre le truc, même si on meurt, en fait, on peut. Genre, on peut quand même passer, je crois. Y a pas une pièce là-dedans parce que... Avant, la pièce était dans son corps. Maintenant, elle est. On a tous les sauts, il faut juste les attirer maintenant. Tu sais où? Ok, bah on va suivre vert et bleu là. Allez, let's go. Oh putain, à droite. Allez, on y croit. J'adore en fait ce jeu où j'étais avec Caro pendant tout long. Après, j'étais avec. Là, mais je suis avec toi. Après, à un moment donné, j'étais tout seul. Moi, j'étais avec Angel. Après, on était toute seule, on s'est retrouvés. Puis toute seule. Enfin, c'est... Ouais, donc en fait, quand t'es hors Discord, compliqué, hein. C'est vrai. Mais en fait, de ce que je me souviens, c'est un peu le seul niveau où vraiment. Après, il n'y a plus de labyrinthe, donc du coup, il porte mal son nom, ce jeu. C'est vrai qu'il porte mal son nom, mais bon, après, c'est plus tu t'éparpilles, quoi. Ouais, après, c'est la jungle. En fait, moi, je me suis arrêté avec une espèce de grande. Oh putain, j'ai eu peur. Bien, GG. On a de la chance. Ouais. Normalement, j'ai le produit, donc j'aurais pu le faire fondre, je crois. Ouais, bah, heureusement. Attends, on y est? On y est? Ah non, attends, c'est quoi? Un livre? On est où? Je suis jamais là. Ah, fait, il y a plein d'endroits. Attends, là-bas. C'est toi qui es parti là-bas, ouais, c'est mon rouge. Il y a mes glow sticks là. Ouais, ouais. T'étais toute seule ici, toi. Ah non, il y a du vert. Il y avait Angel aussi. C'est forcément un endroit où on est passé parce qu'on avait laissé les deux. Oh! Fais chier. Vas-y, continue. On mais se tu retrouve, peux pas hein. Utiliser le truc? Non, ça marche pas. Attends, je regarde. Merde. Non, j'ai vraiment pas. Tu prends pas le produit? Ok. Non, y a pas. En fait, le produit servait que pour ouvrir la pièce. Ouais, et... ouais. Putain. Vas-y, continue. Je vais chercher un autre chemin. Et voilà, me revoilà tout seul. Juste pour me retrouver seul à seul avec le monstre, hein, à tous les coups. C'est le problème de ce jeu, les amis. Shit. Je peux pas passer par là non plus. Je suis bloqué en fait, je suis vraiment bloqué. Vous allez bien tout le monde, c'est bon? Passez un bon moment avec le live. Je sais que je peux pas trop interagir avec vous puisqu'il y a le. Il y a tout le délire où je dois rester concentré pour pas mourir, mais. J'espère que ça vous plaît quand même de voir un petit peu de gameplay sur Labyrinthine, qui est un jeu qui est, je trouve, très effrayant dans sa façon de faire. Je tourne en rond. Je finis par trouver le chemin, hein, de toute façon. Ah, fait chier. Quelqu'un est mort. Je sais pas si ça va faire un... Ah, c'est Ross ? Oh, oui, mon cœur ! T'es où ? Je sais pas où je suis. Ah, bah t'es là. Oh, t'es là ! Oh, oui, je suis content. Qu'est-ce qui s'est passé ? Angel est morte ? Angel est morte, mais elle a pas bougé du coup de la cabane parce que justement, elle voulait éviter qu'on perde de la vie. Ah, d'accord. Et mais moi, je suis full perdu. On y est ? On y est ? C'est vrai ? Let's go! Oh, allez, viens. Suis-moi. Fallait pas que je dépose un truc, moi? Non, vas-y, rentre. Non, pas besoin. Yes! GG, Siro. Oh là là! En fait, j'ai trouvé. C'est Caro, c'est grâce à Caro parce qu'elle m'a trouvé et elle m'a redirigé vers le truc. Mais je t'ai pas redirigé, moi! Oh, quel enfer! J'ai rien fait! Bah t'es arrivé en fait, j'ai compris qu'il fallait aller dans l'autre sens parce que si tu venais d'un côté, c'était que derrière toi il n'y avait pas le bon chemin, tu vois. J'arrêtais pas de voir des monstres partout, c'était horrible. Mais tu vois en fait quand on s'est séparés, on pouvait faire vie limitée. Non, c'est pas grave, ça fait partie du challenge. Chapitre 2, je sais pas comment les gars. Mais en gros, ce qui s'est passé avec Tibiscuit, en fait, Tibiscuit et moi, on est tombés au bon moment. L'un avec l'autre pour la pire énigme du jeu. Ah, et ok, cool. On est tombé sur l'énigme, on a commencé à la résoudre et en fait, pendant qu'on résoudait, on voyait, joueur, il reste un de vie, deux vies, trois vies. Et je suis en mode, oh merde, on va perdre avant même de réussir l'énigme, tu vois.
En fait, Angel et moi, on n'arrêtait pas de se faire bully par les monstres, c'était horrible. C'est pour ça que moi, à un moment, je suis restée en cabane, j'ai fait « Attendez, il ne reste pas grand-chose, je vais rester là. » Mais je voulais te rejoindre, tu sais, pour pas mourir, justement. Et je me suis dit « Elle s'est perdue. » Et après, elle m'a entendu, heureusement que je parle tout seul. Elle m'a entendu et du coup, elle a fait « Ah, t'es là !» Et du coup, moi, en fait, avec Tibiscuit, donc on avait réussi, on est en train de fuir, en fait, en train de chercher notre chemin. Et il y a eu des racines, en fait, qui ont popé entre nous. Du coup, on était séparés. Et moi, en fait, elle a continué. Et moi, je suis en mode, ben, faut que je cherche la sortie. Et elle s'est fait bully. Elle s'est fait bully par le monstre. C'est lequel de mob ? C'est celui qui ressemble à une racine avec des yeux bleus, là ? Je sais pas, je l'ai pas vu. Je l'ai caché dans le monstre. Moi, celui que j'ai vu, il avait un énorme bras, non ? On l'a admiré sous toutes les coutures, clairement. Il nous a fait deux mètres, le gars. Ouais. Alors attendez, bougez pas. Déjà deux choses. C'est drôle, ton chapeau passe devant ton nom. La mamie là, c'est faux pour la lumière. Nous, on a essayé de l'aveugler, ça marche pas déjà. Et de deux, est-ce qu'on peut garder une couleur du début jusqu'à la fin? Si jamais on est perdu, on met une deuxième couleur, etc. Genre, est-ce que quelqu'un peut se dévouer? On met que du rouge, par exemple, comme ça on sait qu'on doit suivre le rouge. Ouais. Et après, quand on est perdu, nous, on rebalise notre chemin. Reprenez votre couleur. Je comprends pas. Je comprends pas. Du coup, genre qu'on est perdu, pourquoi on change de couleur? Bah, comme ça, on dit par où on est passé. Et comme ça, ils peuvent nous retrouver potentiellement. D'accord. Par où aller? C'est parce que, en fait, moi, je suivais tout le monde et j'étais en mode, je sais plus par où je suis passé. Je vois. Alors du coup, tu veux qu'on a une seule couleur, on met une seule couleur et après quand... C'est ça. Quand on a on se perd. Mais après, si on se sépare, on change de couleur, c'est ça. On est plus censé être séparés, mais bon... Normalement, oui. Ouais. Normalement, là, il n'y a plus de labyrinthe. Le chat me dit, la lumière fonctionne quelques secondes et c'est que la lampe torche, c'est pas cette lumière-là. Ah ouais, ok. En plus. Mais c'est vrai que c'est que ça et c'est que quelques secondes, quoi. Bon, quoi qu'il arrive, il n'y a plus de labyrinthe, là. C'est fini, on est sorti là. Ok. Il n'y a plus de labyrinthe, là? Non. Pour l'instant, non. Ah, en tout cas, je suis jamais allé plus loin que ça après, donc je peux pas te dire. J'ai fait la maison, mais après c'est tout. Hein. Je sais pas ce qu'il y a après la maison. L'objectif, c'est le labyrinthe. En gros, avec Linono, on s'était arrêté dans le cimetière. Donc du coup, après, je sais. Il y a plein de couleurs, ouais. À part, si vous voulez qu'on mette plein de sticks pour les endroits safe, qu'on connaît safe. Ouais, bah safe, en fait, on s'est rendu compte que c'est pas safe, les endroits safe. Il n'y a pas d'endroit safe. Hein. Du coup, vous avez trouvé le grand champ avec l'épouvantail, vous ? Oui, c'est ça. Et le dîner avec les poupées ? Parce qu'on l'a pas vu avec Caro, du coup. Oh là là. Les poupées, je suis arrivée à se tourner la tête vers moi. Ouais, mais c'est horrible parce que c'est littéralement ma miniature, mais on l'a pas vu. Je suis triste. Oh. Alors je pensais. C'est le symbole de bâton qui me murmure dans la forêt. Est-ce que je deviens folle? Quand j'ai attrapé le symbole, il s'est désintégré dans mes mains. À quoi servent-ils? Ok. Alors, je pensais que c'était fini, mais je me réchauffais près du feu de camp. Mais cette chose m'a ignoré comme si je n'étais pas là. Si vous lisez ceci, restez près des feux ou à l'intérieur. Les feux ou à l'intérieur. Oh, God knows. Okay. Alors, celui-là, tu peux pas le rater. Hein. Je te dis pas c'est quoi le monstre, mais tu peux pas le rater. Moi, on m'a dit qu'il y avait un monstre qui était invisible. Ah, ça, je savais pas ça. Je vais faire un petit pipi. Voilà. Bah, c'était rapide. Hein. Pour de vrai reste là. Ah non, elle, c'est pour de vrai, elle. Attendez, mais je vais faire pipi aussi. Alors. Allez. Vous savez, Caro et moi, on habite dans la même maison, donc du coup, si je cours tout de suite aux toilettes, je peux gagner la course avant elle, tu vois. Bah, c'est pas cool. Bah, vas-y. Je viens de ranger le coffre de mon lit et Dieu qu'il y avait des trucs là-dessous. J'ai pas de coffre sous mon lit, mais ça donne envie en fait d'avoir un. Regardez-moi toutes ces filles qui sont parties faire pipi là. Et vous savez quoi? Bah, moi aussi. Voilà. Bah pourquoi tu m'insultes, Darkness? Bah, t'es pipe toi-même, non mais Bon alors Yo les gars, se passe quoi? Salut Atomic. Eh bah écoute, on est en train de tester ensemble Labyrinthine, qui a eu beaucoup de mises à jour, parce que j'avais fait ce jeu il y a un petit moment déjà, il était plutôt sympa, et là, en gros, on a retesté le jeu cette fois-ci avec une équipe complète. Donc, on est 4 joueurs. C'est le nombre maximum de joueurs dans ce jeu. C'est un labyrinthe, plusieurs monstres, des énigmes, et voilà. Là, nous sommes dans la deuxième phase du jeu. Nous sommes dans. Ton merde, c'était là. Oh, ok. Pipi time. Ouais, j'attends que Caro revienne pour pouvoir y aller, mais sinon, voilà. Bah, moi aussi, en fait, j'ai envie de pipi là. C'est bon. Et hey YouTube, vous vous faites dépasser par Twitch, hein. Il y a 208 personnes sur Twitch, vous êtes seulement 159 sur YouTube. Je dis ça, je dis rien, Twitch, meilleure équipe. Hein.
C'est horrible. Non, c'est pas vrai. Je suis content que vous soyez là. Voilà. Oui. Tu veux quoi, un bisou? Bien sûr, que veux-tu, hein, mon coucou Rom? Ça va, toi, comment tu vas? Pardon. Coucou Dédé. Oh. Moi, qu'est-ce que c'est que ce band? Bon, le coup de l'harmonica, c'était quand même assez sympathique. Je dois dire. Ah oui, parce qu'on a eu un moment mythique pendant que on était séparés, mais j'étais avec Angel. Ils m'ont fait mettre l'harmonica dans la bouche. Oh, trop bien. Ouais. Ah oui, c'est... faut que t'en fasses un clip ou un temps fort. C'était trop drôle. T'inquiète, je referai un clip. J'adore. Mais peut-être qu'ils ont qu'un toilette chez eux, Stella. Oui, hein, oui, on a qu'un toilette. Ça, c'est ensemble, un appart, hein. Dire. Voilà. C'est compliqué. Il y a pas tout le monde qui a de chiottes. Et en plus, tu sors ça alors que toi-même, dans tu la baignoire. Sais. Oh, non, mais dans les biais, dans les biais. Ah, oh, dans les biais, bah... Dégueulasse. Non, en plus, ça me fait rire. Elle sort ça alors que Gisèle, elle a la cachiotte aussi. Elle me tue. Faut rester à l'intérieur ou près des feux, du coup. Pour ce nouveau monstre-là. Caro, toilette, se rose dans la douche. Ah, on n'a pas de douche, on a des dents. Du coup, ça veut dire que si on reprend... J'ai vraiment mal au cou. Hein? Ah, vraiment mal au cou? Oui. Je vais mettre du bon vitil. Fallait pas dormir dans le canapé. Mais ouais, totalement pas, non. C'était la pire chose, je pense. Tu veux mettre du bon vitil ou pas? Non, j'aime pas l'odeur, mais... peut-être tout à l'heure, on verra, on verra. Bah après le live, je te passerai la petite bouboule de massage, là. Bon, ouais, elle va me faire encore plus mal, yes. Mais ce sera fait avec amour. Coucou, bon, j'ai vu le titre de jeu, je me suis dit, Seros, il fait des jeux coquins. Libertine, t'as lu, c'est ça? Oh mon dieu, il a lu Libertine au lieu de Labyrinthine. Ah, tu as fini? Non. Ah, ben nous on a fini, Résis. Oui, Résis, nous, non? Oui. Ouais. Oui, on s'est fait manger par Cthulhu à la fin. Si. Ah putain. Attends, je parle à Angel, en fait, allez, je pourrais parler à Petit Biscuit, mais elle était partie. Ah, bah non, c'est pas la même personne. Ouais. Non, non. Non, c'est vrai que t'as les cheveux bleus, j'aurais dû. Enfin. J'aurais dû le savoir. Ouais. Alors, les filles, le jeu a été très clair sur le fait qu'il faut rester près des feux de camp. Mais il y a une raison pour cela. Oui. Mais par contre, il faut trouver des totems dans la forêt. Peut-être que c'est plus loin. On aurait dû rester sur la route en fait. Pourquoi on est sorti de la route? Il y avait une route. Ah, bah oui, il y avait une route. Venez là, il y a la grande maison. Ici. Il y a des lumières là-bas. Bah oui, c'est nous ça. Bah c'est les glow sticks. Non, des lumières de route. Non, tu vois la lumière de route toi? De route, hein. Putain, je vois rien. De l'autre côté. Je vois rien. Je vois vraiment rien. Regardez là en face. Ah oui, il y a une lanterne. Ouais. En bas. En gros. Du coup, ouais. La petite madame, il faut lui mettre vraiment la lumière dans les yeux. En vrai, tu sais chérie, c'est plus grave parce qu'on la voit plus. Hein. Ah, on la voit plus? Oh, cool. Non. Voilà, donc c'est bien ça le chemin. Ouais, donc ici, vous avez un feu de camp. Mec, là, casse-couille. Non, je pense pas. Ça, ces trucs-là, c'est safe place en fait. Genre, donc en fait, là, dans mes souvenirs, il fallait trouver 3 totems dans la forêt. Safe place. C'est des trucs comme dans Blair Witch, c'est des espèces de brindilles accrochées ensemble, etc. Okay. Et il faudra les péter. Mais avant de faire ça, il faut faire une énigme dans une maison. Donc du coup, venez, on continue. Oh. Genre, s'ils ont pas changé, bah la phase 2, je la trouvais plus simple et plus sympa. Donc, Oui, c'est clair. Attends, on va aller au feu de camp. T'as le labyrinthe. Non, viens. On veut pas aller au feu de camp. Tu entends? Oui. C'est quoi? Regarde en face. C'est lui le monstre. Ah, c'est le géant de Lethal Company. Courez Suivez-moi jusqu'au feu de camp. Vite. Je te suis. C'est un arbre. Vite. Je veux dire toi. Il manque quelqu'un. Il manque petit biscuit. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Biscuitos. Cookie Girl. Oh non, les biscuitos. Elle nous a pas suivi. Attends. Laisse-moi, attends. 3. Elle est peut-être pas morte 2, parce que. Tu vas où? Pourquoi tu montes? Je comptais pour voir si elle allait crier et voir un joueur est mort Je pense qu'elle est partie à l'autre feu de camp parce que du coup elle savait où était l'autre feu de camp, tu vois.
Je pense qu'elle est partie à l'autre feu de camp. Peut-être qu'elle est partie à l'autre, ouais. Je prends le relais pour les glow sticks. Oui, bah oui, on a été séparés. Ah oui, c'est vrai. Bah, attendez, nous on venait de par là. Ouais. Mais c'est pas grave, elle va venir, elle va venir. Venez de la droite. Elle est morte? Non, elle est pas non, morte. Non, elle est pas morte. Il n'y a pas écrit les venez de la droite. Ah, elle est là, elle est là. C'est bon. Voilà, elle est là. Moi, j'ai reporté en arrière au feu. T'es comme les chats, toi, en fait. Hein. Les chats, ils arrivent, ils font. Oh, j'ai peur, je retourne à l'endroit où je suis mort. On revient au feu de camp et on réfléchit. On réfléchit. Ok, d'accord. Stratégie. Donc, alors, c'est un ant. Oui, c'est un ant. Ouais. Et le feu, ça a changé de couleur. Qui c'est qui pose du rose? Caro, elle a posé du rose là parce qu'on a été séparés. On a été séparés. Ah, ok. Donc, on peut reprendre du rouge maintenant. Mais en gros, je sais pas si c'est à gauche ou à droite. Il y a le chemin continue par là et de l'autre côté aussi. Bah, donc il y en a deux bon, chemins. On va continuer ouais. par là, autant bon, voilà, voilà, on va continuer ici, ouais. Okay, vous avez vu la différence que maintenant le groupe il est moins dissident qu'auparavant. On est beaucoup plus coordonné. Ah bah on a appris nos erreurs. Hein. C'est ça. Ah oui, bah on là je me suis fait maraver ma gueule donc j'ai compris. Je sais pas si on a récupéré des vies par contre. Et bah ça va être drôle. Chapitre, non mais oui, tu peux reload un chapitre particulier ou bien si tu meurs c'est mort. Oui je pense. C'est bon c'est bon c'est le bon chemin c'est le bon chemin. Non c'est la fin du jeu non 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 c'est pas là c'est pas là c'est pas là c'est pas là revenez. Mais il y a un feu de camp là. Oui oui mais revenez enfin c'est la fin du niveau on a pas les trucs on peut pas en gros là c'est le cimetière. Ah. Si vous voulez la porte vers le truc du cimetière est bloquée. Donc on ne peut pas y accéder pour l'instant, il faut qu'on... C'est le résumé de la vie d'apprendre ses erreurs, comme dit Stéphane. Ouais, c'est ça. Mais dans la vie, tu restes pas, y'a un chemin. Ouais. Le monstre. Où est le feu de camp? Oh, sa mère la pute. Il est plus haut, il est plus haut, il est plus haut, il est plus haut. On va mourir. Il est loin. Non, c'est juste là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Non, 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 tu vas pas mourir, non, non, non. Ça va, ça va, ça va. Non, 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 non. Il était loin, il était loin, regarde, il s'en va, regarde. Voilà, il est parti. Il était juste là où il fallait dans le chemin. C'est bon, allez, go. Mais bon, attends, il y avait un chemin là où il y avait le géant en fait, c'est ça le truc. Mais il est non, à gauche, non, le géant, c'est bon. Il y a un chemin à gauche là. Il y en a qu'un géant, il y en a plusieurs. Ah, ça, c'est une bonne question, j'en sais rien. À gauche là. C'est pas à droite, chérie, tu connais pas ta droite. Mais chérie, quand tu arrives en face, c'est bien à droite. OMG, c'est bon, moi je comprends. Mais non, mais c'est à gauche là, on est parti à gauche. Oh, c'est quoi? Elle a pas compris. Non, c'est pas grave. Est-ce que l'arbre peut rentrer à l'intérieur? Voilà. Allez, cinématique. Wow. Alors là, je t'avouerai que je me rappelle plus du délire, mais je me rappelle que c'était compliqué. C'est un niveau typique en fait des jeux qu'on a l'habitude de faire à T-Biscuit, tu sais, les jeux d'horreur psychologique, avec des trucs qui se répètent, etc. Il faut fouiller un peu partout, il y a des clés à récupérer normalement. Garde en tête ce qui est verrouillé, mon cœur, parce qu'on va devoir trouver des clés pour les différents endroits et les clés sont cachées dans les tiroirs. Ah, les tiroirs dans la maison? Oui. Ok, vas-y, on va chercher. Je vois rien par contre avec la lumière là. La clé fait, là, hop. Ok, j'ai une clé. J'ai c'est une de clé. Quoi alors, c'est ouvert. Comment en on fait haut, y a un, c'est... Comment on fait pas un passage secret dans la cheminée? Là, je me demande, parce c'est qu'en haut, il y a une porte fermée. Hein. Oh, ouais, a... mais j'ai trouvé une clé, mais j'ai pas vu le nom de la clé en fait. Quand... Tu as fouillé ici? Laissez les trucs ouverts, comme ça on sait qu'est-ce qu'on a fouillé. Ah, pardon, d'accord, oui, ça c'est fouillé ça. Là, il y a une porte. Ok, je vais tester. Là, ouais. Je pense. Ah, je pas, non, c'est pas la porte. Je vais aller à l'étage. Ouais. On va ouvrir celle-là. Oui, c'est bon, c'est celle-là. Elle est en haut. En fait, quand t'arrives devant, le cadenas il est déverrouillé en fait. Ah, cool. J'entends un monstre là, on est d'accord. Non, mais on est à l'intérieur. Moi j'entends une musique. Ouais, moi j'entends la musique. Salle de bain, faut pas rentrer dedans, une clé. Hop. C'est la clé du tiroir de Charles. Ça ressemble un peu à des voix là comme ça. La clé du tiroir. Ouais. Trouver un tiroir. Une clé. Ah, c'est écrit quoi dessus? C'est t'as pas lu. La clé. Ça t'as pas ah, lu j'ai en fait. Pas lu. Ah bah il faut lire. Ah, j'ai pas lu. Pardon. Bah là maintenant faut chercher toutes les portes. Est-ce qu'il y a un tiroir bloqué par là? T'inquiète. Bah là il y a une porte verrouillée. Non, non, moi j'ai besoin d'un tiroir, un tiroir. Ça c'est verrouillé. Okay. C'est en bas. C'est en bas. C'est en bas. Ça c'est verrouillé. Ouais, c'est en bas. C'est en bas. Je vous la porte en bas du coup. Par contre, bon, on m'a respiré dans l'oreille, j'ai pas trop kiffé. Ouais, bah oui, il y a des bruits. Ah bah non, c'est pas en bas. Si, c'est en bas, il y a d'autres portes. Il y en a une autre ici, il y en a une autre là. Normalement, il y a une porte là. Non, il y en a une. Chut. Ah oui, trop bien. Et donc,
c'est pas le porteur de clé qui... Ah, attendez, j'ai une clé là. Clé de la chambre de Charles. Moi bah, j'ai besoin... Ah, bah c'est cool. J'ai le tiroir de Charles, moi. Du coup, il faudra ouais ouvrir sa porte. Ok. C'est, en... c'est à l'étage. On remonte ? Oh là là. Coucou, Révilo, comment tu vas ? Moi je dis que c'est pas très safe de laisser les portes de la maison ouvertes. C'est littéralement un monstre qui fait 4 mètres de haut, je pense que ça va. Si. Je pense qu'il rentre pas dans la maison à mon avis. Bah une des deux. C'est celui-là je crois. Ah bah c'est là, Ah ok, quand tu prends les clés c'est pour tout le monde. Oui c'est pour tout le monde, c'est cool. Ah c'est pour tout le monde, c'est trop bien. Vas-y. Ok, il y a un des tiroirs, voilà le tiroir celui-là. Ah merde, hop, pardon. C'est bon. C'est comme chambre quand même. La clé de quoi ? T'as pas lu ? J'ai pas vu. Putain. Elle a pas lu. C'est vraiment un quoi. Ah ici, ici c'est fermé, la salle de bain. Non, la salle de bain elle était déjà ouverte. Ok, c'est en bas, c'est la porte sous l'escalier. Y'a pas de clé maintenant ? Mais ouais, mais elle s'est fermée toute seule la porte de la salle de bain. Ça m'en veut trop. Ouais, ouais, ça arrive. Envie. C'est un jeu d'horreur en même temps. Hein, tu crois que t'attends quoi là ? Si. Non, j'ai pas. Ah ouais, c'est fermé là, j'ai entendu. Yes. Ok, c'est ah, oh, bon, cinématique. J'ai pu le sauver. Ah, quelqu'un a pas fait la vaisselle. Dans la bouche, il y a une clé dans la bouche. Ah, ah oui. Lit avant de la prendre. C'est chambre principale. Ok. Chambre principale. Alors c'est en haut. Du... Ah, c'est une vraie piscine. Ma porte s'est fermée toute seule devant moi. Vas-y, qui c'est qui nous ferme les portes à la gueule là ? Je suis pas d'accord. Bah c'est là. Oui, mais je sais pas, par respect. Le respect. Les fantômes n'ont pas de respect. Je trouve qu'on va beaucoup plus vite que la première fois que j'ai fait ce jeu. J'ai galéré moi la première fois. Parce que j'avais pas vu, en fait, j'avais pas vu les clés parce qu'il faisait trop noir. Ça, c'est la chambre principale ? Non, c'est pas la chambre principale. Je crois que c'est celle qui bouge, hein, non ? Ah non. Si tu montes la luminosité, c'est lisible en vrai. Ça, c'était la salle de bain, c'est ça ? Attends, mais on avait pas vu ça, c'est ça la chambre principale, ça ? Bah, les filles, elles ont déjà ouvert. Y'a quelqu'un qui m'a craché dans les oreilles. Encore ? Y'a rien là, j'ai pas trouvé de clé. Est-ce que je peux voir non, ouais, c'est un balcon là. Mon personnage. En fait, c'est que je vois mal avec. Tu sautes sur le lit ! Oui ! La clé sur le tableau, Sibiscuit. C'est la clé de la salle de lecture. Ah. C'est juste là. Et cette porte-là, c'est elle est fermée. Porte okay, oui. Est-ce qu'on peut voir le monstre, à votre avis, depuis dehors ? Oui, on peut. Oh, il y a des choses. Ah ouais, ouais. J'ai déjà vu avec Andy. Oh. Y a rien là-dedans. Vous êtes où, du coup ? Ah, dans la salle de lecture. La ah, le livre vert. Ah, il a ouvert un truc. Il y a un courant d'air. Il y a un truc fait. Qui s'est ouvert. C'est là. Ah. Bah alors, petit biscuit, pourquoi wow. Ah. Non, mais la pro du jeu d'horreur, elle a peur dans l'escalier, quoi. Ouais, ah, t'as vu ça. Il y a un fantôme qui a disparu. Là, il y a un tiroir fermé. Un fantôme. Il y avait un drap. Oui, il y avait un drap et le drap est tombé. Alors, je vais avoir besoin de 3 effigies en bois pour créer le sortilège de la voilà. Porte de la clé. Les petits totems que tu dois casser. On peut les détruire pour y re-rentrer éventuellement. Ces effigies doivent être accrochées quelque part dans la forêt. Je vais fabriquer une dague cérémonielle pour accompagner le rituel final. Et c'est pas étendu. Elle a pris la dague. Pardon. Je peux utiliser pour briser le sceau. T'as pris la dague, ça bah, super. Oui, je l'ai pris. Ok, c'est parti maintenant. Oh. Mais maintenant, ça a enlevé le message ? Ça m'a cancel. Bah, apparemment. Ouais, on peut y aller maintenant. Maintenant, il faut aller dans la forêt. Il faut aller dans, au milieu de la forêt. Il y a un tiroir en haut qui est fermé, c'est normal ? Genre, il est verrouillé, Bah, il est verrouillé. C'est sûrement pour la fin secrète. On a ouvert toutes les portes, du coup ? Bah, apparemment. Une fin secrète. On a été là ? Non, mais, si, on a été là. Tout est ouvert, donc si. Alors, est-ce qu'il y a une fin secrète ? J'en sais rien, mais je veux dire, en soi, tu sais, c'est un jeu d'horreur, donc tout est possible. Franchement, bah, du coup, faut trouver les... Il doit avoir une facture d'électricité, les gens qui vivent là. Bah, pas ouf parce que ah, c'était pas vraiment éclairé. Donc, attends, les filles, maintenant, le problème c'est que les trucs sont dans la forêt. Donc, oui, donc pas sur le chemin. Pas sur le chemin normalement. On peut les trouver parce qu'on les voit de loin normalement. On voit un truc qui glow en fait dans le noir. Mais par contre, faut faire attention, il faut pas se faire défoncer par le. Bah, déjà, allons au feu de camp à droite là. Celui qui est en face ? On marque le truc. Ouais. Ok. Ça, on marque le chemin. Normalement, en fait, ça glow rouge. C'est pas la chanson de Kyo, je vous jure. Okay. J'ai envie de la chanter maintenant. Oh, tiens, fais pas ça. Pardon. On peut même pas chanter tranquille. Oh. J'ai longtemps parcouru son cœur effleuré 100 fois son visage. 100 fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même. Quelques étoiles en essuyant ses. Attends, à chaque fois que je fais un live avec Sibiscuit, ça se finit pareil. On chante. On chante. Genre, on a fait Bigfoot, on chante. On fait labyrinthine, on chante. Ah, je vois un truc en face. Ah, tu vois ? En face ? Et ça parle. Oui !
Eh bon, c'est bon. T'as eu le premier. Oh, c'était... Je retourne ah au camp, moi. On revient au camp. Ils ont pas été méchants. Ouais, ouais, ouais. Ils l'ont placé bien en évidence maintenant. Là, c'était vraiment perdu avant. Rouge, ça glow en mauve, du coup. Ok. Bon. Bah, d'autre côté maintenant. Bonne chance. Hein. Donc, regardez une petite lueur. Bunger Game. Bunger Game. Attendez, ça, c'est le cimetière. C'est le cimetière. Donc, c'est là-bas qu'on va terminer le jeu. Si vous entendez des bruits, etc., ça sera dans cette direction-là. J'entends des trucs qui crient. Ça pue le cul, ça pue le cul. T'es sûr que c'est pas le tien ? Non, je me suis lavé, monsieur, moi. Moi aussi, je me lave, madame. Deux fois par jour. Moi, je me douche. Voilà. Ah, t'es sûr ? Ah ouais, ouais, ouais. On a fait le tour. On me reproche même que je me douche trop, tu vois, donc... Ah ouais, on te reproche. Qui te reproche ? Bah, qui ? Alors, ma chérie. C'est pas ça. Monsieur prend des bains de une heure et quelques. Et on a pas de VMC, on a pas de fenêtre. Et du coup, ah ouais. Ouais, tu vois, elle se plaint. Alors, je suis propre sur moi, mais elle se plaint. Elle aurait préféré que je sois sale. Un vrai gamer. Elle aurait préféré que je pue, ouais. Genre, elle voulait que je pue et en fait, je pue pas, tu vois. Voilà. Fun fact, la cousine d'un pote est mariée avec un des membres de Kyo. Oh, lol. C'est trop bien ça en vrai. Ça veut dire qu'à chaque fois tu peux l'embêter. À chaque fois que tu la vois, tu fais « J'ai longtemps parcouru ton cœur !» Ouais. It's French. C'est quoi, il y a quelqu'un qui parle en anglais? There is somebody who talking English in the chat? Welcome back, welcome to the stream. I'm sorry, it's a French live stream. We are not really talking in English throughout the stream, but ah, c'est parce que c'est stressé. Non, je sais pas, il y a quelqu'un qui parle en anglais, donc du coup j'ai répondu. Pourquoi tu retournes là-dedans? Du coup, on est sur labyrinthe. J'en vois. Je vais le taper. Ah non, c'est un feu de camp, putain, fais chier. Tu mets pas de glow stick par contre, non, parce que vous le faisiez. Attends, mais oui, c'est quoi, dit, c'est mauve. On sépare, on met des glow sticks. Mauve, c'est pas. Vous avez pas mis ce truc-là? Non, c'est un feu de camp. Ouais. Je croyais que c'était un. Vous connaissez pas? Alors, est-ce que je vois pas une petite lumière? Est-ce qu'il faudrait pas éteindre la lumière en vrai? Éteins tout. Mm-hmm. Éteins tout. Appuyez encore une fois sur A. Vas-y, on part par là. Vas-y. Pourquoi? J'en vois un. Putain. Mais t'es trop forte. J'ai pas vu. Hein. Allez, on court. Oui. On court au feu de camp. On a trouvé un. C'est bon, on a trouvé un troisième. On a trouvé un troisième. C'est le troisième. Non, il en manque deux. Enfin, il en manque un. Oui. Non, il en manque un. Il en manque un. Comment ça, troisième? On a tapé un. Mais bon. Ça, c'est le deuxième. Mais j'en ai fait un. Ça, c'est mon deuxième que je fais. Oui. On a trouvé un ou non? Non. Bah non. Ah non, on a non trouvé un. Non. Non. Nous, on a trouvé le monstre. Si t'as trouvé, allez, t'as trouvé les deux. T'as trouvé les deux pour l'instant, chérie. Elle a une bonne vue. Je sais pas comment elle fait. Mais vous allez tous dans une direction différente. Flûte. Ils sont tous partis dans une direction différente. Franchement, en fait, jamais je fais du urbex avec eux. Hein. Parce qu'elles seront capables en fait de faire la même chose dans la vraie vie, tu vois. M'abandonner comme ça, en arrière, alors qu'il y a des monstres qui rôdent dans la forêt, là. On va partir par là, viens mon cœur. Ouais. T'as un sixième sens ? Alors en exploration, ouais, je sais pas. Ah non, ça c'est le cimetière. Encore, ouais, on est déjà venu là. On va partir en plein milieu. En plein milieu. Trop de glow stick. Ça veut dire qu'on a fait. Ouais, peut-être on peut vraiment passer à côté sans les voir. Donc du coup. Le problème c'est qu'il y a le monstre dans la forêt. Oh. Ouais, c'est la petite maison ça. C'est la mini maison ça. C'est la petite maison. Le problème c'est que genre on sait pas trop où on est parti en vrai. Ouais, c'est le bordure de map là. Ouais, c'est ça, on fait le tour de la map. Ah, j'en vois. Ah non, je veux dire, j'en vois un, mais non. Non, c'était glow stick en fait. Par contre, on n'a pas vu le monstre encore. Elles l'ont vu, mais nous non.
Ça veut dire que si on le voit pas, elle le voit, elle. Mm-hmm. On est passé par en face, apparemment, ouais. Non. Tu le voyais de loin, toi, à chaque fois, ou pas ? Non, j'en ai vu un de loin, c'est tout. D'accord, parce que moi, je vois... C'est une petite lumière mauve. Ouais, mais le problème, c'est que t'as des glow sticks mauves, et du coup, c'est... Genre, quand j'ai vu des glow sticks... Hein ? Bah, tu peux changer de couleur, en fait, chérie. J'adore la map, comment elle est recouverte de glow sticks dans tous les sens. Ça, c'est pas bon. Ah, bonjour. Coucou. Ah oui, on est au-dessus de vous. Coucou. Coucou. Fais pas ça. Et Angel, elle a pris mes glow sticks. Oh. Bah, c'est pas ça. Il fallait pas qu'on ait violet, qu'on ait séparés. J'ai rien compris, moi. Bah, non, en plus, j'ai rien compris, en fait, à, ça, à cette règle. Je vois quoi, la guerta, du coup. Du coup, moi, j'ai pas mis de glow stick comme ça. C'est simple. Voilà. Non, en fait, t'as raison. Mais moi, je pense qu'il faudrait retourner un peu au début. Il doit être au début, non? Putain, je suis con. J'avais rien compris. Attends, bah, je vais les filles qui polluent la forêt joyeusement avec leur glow stick. Ah, j'avoue. Ah là là. Et alors ouais. Je suis le seul qui en pose pas là. Donc, ouais. C'est biodégradable. C'est chiant en fait quand il en reste un. Tout, quand il en reste qu'un seul, c'est chiant. Regarde Caro, elle est partie toute seule là. Elle a vraiment pas peur. Elle est courageuse. Bah, moi j'aimerais bien qu'on retourne au début, mais je sais plus où là. Tu sais plus où est le début? Ouais, bah normal, il y a des glow sticks partout. Mais bah, excuse-moi, monsieur. Hein. Bah écoute, on s'en sort la Guerta, c'est un peu compliqué. Ok, c'est le truc qu'ils ont trouvé. T'as pas envie de le voir, je te le dis. Cool, parce que là, c'est le mur du labyrinthe. Imagine, on voit, il y a un passage, il y a tous les monstres du labyrinthe qui s'échappent. Ah, ce serait ça. Imagine. Mmh, au niveau du son aussi. Boussole, hein. On peut aller sur une direction et voir... Attends, on a toujours la boussole normalement, oui. Les deux. Il me semble bien. Merci beaucoup. Bah du coup je vais t'appeler Jan pour le follow. Merci, merci. Alors attends, la boussole. On est. Ça sert à rien la boussole mon cœur. Là comme ça on est plein d'or. On va voir quelle direction on a déjà fait. On vient trouver le truc. Qu'on valide parce qu'on sait où il l'église tu vois. Le pire c'est que ça fait du bruit normalement donc on est censé entendre. On est censé entendre les trucs du les machins. Oh là là, c'est le pire en fait quand... J'ai l'impression de faire les bordures de map dans Dead by Daylight. Ça m'a fait peur, il est en hauteur. Salut. Ah, on est revenu au début. Ouais. Ah bah allons au début alors. Peut-être que... Mais le truc c'est... Ah, attendez. T'es passé par là ? Ah non, mais c'est le petit biscuit qui respire dans son micro, alors c'est bon. T'es passé par là, il y a du haut sur la... J'ai cru entendre un bruit de murmure. Hmm. Bah là, on est vraiment au début. Début. Hein. Alors ? Non, c'est la zone de spawn ici, donc non. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Je pense pas que ce soit là. Là-bas, je pense. On est parti bien à droite ou pas ? On ouais, a pas de carte, hein, évidemment. Bah, super, Mickey. Ouais. Vous avez bien visé à droite là du spawn? Bah ouais. Ah non, ça j'ai pas visité par là non. Je vois des glow sticks donc du coup je pense que Caro est venue elle. Oh! Elles l'ont trouvé. Nickel, trouvé. On va au cimetière. Vas-y, retourne... Yes. Vas-y, vas-y. Je sais pas où elles l'ont trouvé mais elles l'ont trouvé. Trop forte. Ouais. Je suis sûr que c'est Caro encore qui a trouvé. Elle a trouvé les trois, putain. Mais elle a des yeux, soit elle a mis la luminosité à 100, soit. Non, je pense que c'est ses lunettes, hein, ça l'aide beaucoup, je pense. Nous, on voit rien du tout, nous. Tu as trouvé encore c'est mon cœur? Ah non, c'est petit biscuit. Non, c'est petit biscuit. Ah, moi, j'ai trouvé bien le monstre, début, j'ai raison. Ah, il y avait le monstre. T'as trouvé un monstre aussi. Il était où du coup? On est dans la même équipe. Il était là-bas, il était au début. Putain. En fait, les chuchotements, ça nous rapprochait du truc en fait. Bah oui, j'ai essayé d'entendre les chuchotements, mais j'avais pas entendu les chuchotements là. J'entendais pas. Oh monstre, monstre. Ah, bah okay. C'est rigolo parce que depuis tout à l'heure on le voit pas et là il est là hein. Bah oui. En vrai ça aurait dû être comme dans Slender, c'est à dire qu'à chaque fois que tu prends un truc il devient plus dangereux mais ils l'ont pas fait comme ça. Mmh. Non. Reste loin Satanus. Alors du coup je crois non, que le cim... Mais putain mais pourquoi... Pourquoi tu l'as appelé Anus aussi là? Il aime... Ça, hein. Personne n'aime être appelé Anus. Hein. Non mais... Ah, ça l'anus, bah oui mais forcément il faut est... Faut pas roter comme ça monsieur.
Bon, oui, attendez, oui. Le cimetière, il est pas vers le truc où il y a plein de glow stick mauve là-bas, là ? Quelle idée, hein. C'est allez. Que toi qui les vois, moi je vois pas. Ah, ouais, parce que j'ai... Ah, mais j'ai mis visibilité ouais. À 100, ouais, moi, c'est vrai. Ah, attends, bah je vais la monter, moi, visibilité... Ouais. Mais attends, t'es à mon PC, toi, ou pas ? Luminosité. Non, pas luminosité, hein, visibilité... Enfin, bon, bref. Il y a un feu de camp en face, au moins. C'est sûr que j'y vois mieux, là, c'est sûr. Ça, c'est la maison, ça. Qui a allumé la radio ? Putain, vous êtes sérieux. En tout cas, c'est par là. Oh, la musique, s'il te plaît. C'est par là ! Wouhou ! Là, à droite ! À droite ! Putain, vous êtes où ? Oh, merde. Bon, bah, j'y vais, moi. Je les attends pas. Alors, l'entrée du cimetière est de l'autre côté. Non, c'est bon, je suis dedans. Ça y est. Ah, vous êtes arrivé avant moi alors que je vous dis que c'est par là. Putain, c'est trop drôle. T'es et Caro, elle est où ? J'ai perdu Caro. Mais non ! Attends, elle est où ? Faut qu'elle voit la fin du niveau. Je sais pas si elle m'a suivi. Elle a pas entendu, je suis sûr. Caro ! Tu penses ? Caro ! Caro ! Putain, elle est où, merde. Caroli ! Caro ! Caro, va ! Caro ! Si, si ! Ah, elle a suivi, c'est bon, Caro, elle est là. Caro ! Ah, si ? Par là, le cimetière. T'as entendu quand oui. Je t'ai dit de venir ? Ah non, pas du tout. Ouais, elle a pas entendu. Ah, ok, bon. Okay. Je pense que le voice proximity n'est pas ultra précis. Souvent, ouais, en fait... Bah, ça a marché quand on était au labyrinthe, en fait, mais pas... On arrive à être chanter. Attendez, on a un super merde. Accueil par Petit Biscuit là. Vous avez rien entendu ? Incroyable. Si, si, on a tout entendu. Regardez. Non, oh, j'ai mis du sang dans le mur. Bon, ben, bah, vas-y. Ça, tu vas bien en tout cas, Axman. Au revoir. On my way to Cuba. J'ai jamais fait chapitre 3 par contre. Du coup, pour moi, c'est totale découverte. Oh, le banger! Putain, le giga banger! Mais il est bien votre jeu là! Il est stylé, il y a plein de chapitres! Je m'attendais pas à tout ça! Il y en a 3. Ouais. Non, mais en fait, faut savoir que quand moi j'y ai joué, il n'y avait pas ce chapitre là en fait. Enfin, il était encore en construction. Donc là, c'est total découverte. Pour moi, total découverte, j'ai jamais allé aussi loin. À tous ceux qui lisent ceci, vous aurez compris que quelque chose ne tourne pas rond ici. J'ai essayé d'explorer la vieille maison de Fear, mais j'ai été attaqué par, eh bien, je ne suis pas sûr ce qu'il est. Il m'a transporté jusqu'ici et il m'attendait. Je ne suis pas sûr de ce qu'il me destine. Mais ça ne sent pas nouveau bon. Monstre. Quand ils sont partis tous les deux, j'ai réussi à me faufiler entre les barreaux. Je n'arrive pas à passer la porte qui mène au labyrinthe. Mais j'ai trouvé 3 portes plus loin. Elles sont contrôlées par des leviers répartis dans le labyrinthe. Faut revenir au labyrinthe. Ils avaient laissé 10 clés sur la table, mais seulement 5 étaient nécessaires pour accéder au levier. Je les ai cachées dans les cryptes pour qu'ils ne puissent pas les reprendre. Je ne suis pas sûr de savoir où elles mènent et je ne suis sur le point de le découvrir. Il n'est pas question que j'attende son retour. Non mais en fait, je pense qu'il a le développeur du jeu, il a dû prendre les critiques parce que les gens ils ont dit ouais, chapitre 1 il y a un labyrinthe, chapitre 2 il y a pas de labyrinthe. Je sais pas sur quoi vous étiez mais et je pense qu'il a dû mais là c'est un labyrinthe. Mais on peut pas. Alors désolé mais on a une bombe mais on peut pas dessiner ce qu'on veut. Moi j'ai voulu dessiner. Bah non, le but c'est de faire des flèches. Mais on peut mettre les glow sticks, non ? Regardez. Oui, tu peux. Ouais, bah je vais garder les glow sticks, très bien. C'est mieux les flèches. Parce que tu sais où tu es parti ? Ah, c'est très bien. Pardon. Sur Arc. Ah, j'ai pas testé Arc. Par contre, eh ben, ça pue ou quoi ? C'est un petit jeu de survie très sympa. Coucou Pégase, comment tu vas, bienvenue ? Je ne sais pas. Qui vient de sortir en plus. Et ouais, Arc, je suis pas très très dino. Merde. Moi, je vais dans. Tu mets dans quel sens ? Quand tu tournes avec la molette, tu roules. Ah, j'ai une tête de mort, je suis d'aller. Là, il y a plein de portes et on peut pas les ouvrir. Ça veut dire, on va pas là-bas parce que c'est mortel. Et il a dit, il faut trouver des clés pour voir les portes. Donc, Et quand il parle de labyrinthe, il parle de ce labyrinthe-là en fait. Ouais. Les leviers vont ouvrir les portes et du coup, ça va changer le labyrinthe comment il est. Oh non. Il y a les symboles de. J'ai kiffé, ouais, mais c'est une petite addiction. On est presque sur le jeu tous les soirs en fait avec les copains. On a un serveur. Et ouais, c'est beaucoup trop cool. Ah, t'as appuyé dessus ?
Bah ouais, mais je pensais pas que j'avais quelque chose dans les mains en fait. Alors, t'as appuyé dessus, c'est juste un bouton en fait, donc. Lui, on peut pas. Alors, je peux non, appuyer non, non, j'ai pas un non. bouton. Y a un truc elle a appuyé en premier à gauche. Du coup, on sait pas c'est quoi. Mais merci en fait, tous les symboles, le symbole. Alors, écoutez-moi, les symboles qui étaient sur le bouton, ça a changé toutes les portes qui avaient ce symbole-là. Donc maintenant. D'accord. Par exemple, là, on regardait cette porte-là, elle a un symbole spécial. Bah, il faut trouver en fait le bouton qui ouvre cette porte-là. C'est pas du tout comme Phasmo, non. Labyrinthe. Donc là, c'est un, c'est une couille poilue avec un Z. Dans un labyrinthe avec des ennemis. Couille poilue avec un Z. C'est là. Mais pour moi, Phasmo. Ah oui. T'as passé une couille poilue, toi ? Non, ça c'est pas une couille poilue. La porte qu'on doit ouvrir, c'est une couille poilue. Les fantômes, etc. Oh, oh non, j'aime pas, c'est un vrai labyrinthe. C'est pour ça que j'ai mis des glow sticks. Oh putain, je suis trop nulle là-dedans, moi, les labyrinthes. Allez, ouais, et quand on t'a dit de venir sur un jeu qui s'appelle Labyrinthine, tu t'es pas dit que peut-être que tu vas faire du labyrinthe de votre Bah, je me suis dit, sur un malentendu. Sur un malentendu, c'est peut-être pas un jeu labyrinthe, hein, c'est pas grave. Oh là là. Oh, glow stick, on est revenu au départ. Okay. Là, on est arrivé au départ où t'as posé tes glow sticks au début, mon cœur. Ah, d'accord. J'allais dire, c'est qui a pris ma couleur. Ah, merde. C'est moi. Je vais te faire. Je vois petit biscuit qui court. Oh, c'est moche, oh, c'est moche. Il est où, il est où? C'est moche. Il est où, à droite? Il est moche. Il veut te manger. Il est moche. Il est tout rouge. Ah, attendez, c'est là. Rouge. Regardez, une salle avec des tombes. Mmh. Hello, Mvet. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Mmh. Ok. Ah, ce que j'ai trouvé. Une clé. On peut pas le break. La clé, une vieille clé en bronze. Y'a plein de trucs là. J'ai trouvé une clé, mon cœur. Je vois rien. Chérie, j'ai trouvé une clé. Oui. Mais vas-y toute seule alors. Putain. Non, mais je regardais juste le petit voilà, la petite boucle. Et. Je suis perdu. Oh, salut toi. Ça, je suis perdu. Elle est en train de crier, je suis perdu. Elle arrive devant moi. J'ai ah, bah non. Perdu dans les égouts. On tire un peu. On va vibe Resident Evil un petit peu là. Un peu, ouais. Ça fait bim bam boum. Non, non, non. Pardon, 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 c'est sorti tout seul. Tu mérites de te manger par le monstre. Non. C'est pas le monstre. Chut. Mais en fait, c'est. Apparemment. Ça croustille. Il y a une porte en bas. Ça croustille là. Dans la croustille. J'ai trop peur. J'y vais, allez. Allez, ouais. Je croustille avec vous. Ouais. Et on va croustiller ensemble. Est-ce que vous aimez les croustillades dans le chat? C'est vieux. Oh, ça va. Oh, le c'est toute mon enfance. J'aime pas ça. Est-ce que vous voulez des vrais alors, craquements? Alors, techniquement, de... le monstre, on est d'accord qu'il peut rien nous faire. Il est tout. Il est tout maigrichon. Qui énerve les gens. Moi, je connais une chanson. Non, non, s'il te plaît, Tibiscuit, non. Mais Pépinia Galetta, là, qu'est-ce que tu fais? Tibiscuit, s'il te plaît, les gens quittent le live, là. Oui, là, j'étais à 350, il y a 10 qui sont partis, là. C'est vrai? Oui, à cause de sa chanson. Monstre? Non, ouais, ils sont venus chez moi. Monstre? Alors, le monstre, il est tout maigre, il veut rien nous faire. Tu donnes un coup de pied, il tombe par terre. En fait, il est pas loin. Je sais pas où exactement il est. Fait chier, par contre. Moi, je vois rien, frère. C'est quelle idée en fait de venir là? Je sais pas, ils ont dit on va sauter. Bah oui, bah, je vous ai suivi, mais pourquoi en fait? Genre. T'es pire que tout ici. Non, y'a rien, attendez, y'a rien. Attends, j'ai changé. C'est cul-de-sac, 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 cul-de-sac. Comment on fait une tête de mort? J'arrive pas, moi. J'arrive, je suis toute seule. Hein. C'est un bon cul-de-sac, ça aussi. Un cul-de-sac, ok. Je vais faire une croix pour dire on va pas là-bas. On va essayer. Comment tu changes? J'entends des bruits, mais. Je crois qu'elle a dit quelque chose, mais j'ai pas entendu la suite. Oh shit! Oh non, 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 pas par là, pas par là. Pas par là. Pas par là. En fait, il y a de la chair encore sur. Pas par là.
pas par là, c'est bon, pas par là, pas par là. Ah, t'as fait une croix, c'est bien. Suivez à droite, à droite, à droite. Moi, je sors d'ici. Mais y'a rien en fait dans cette truc, pourquoi on est venu là? Je sais pas, on est passé par là, on n'est pas passé par là, allez, vas-y. Il veut qu'on a un ou y'en a plusieurs là? Secours, il nous suit, il nous suit. Si c'est un cul-de-sac devant, les gars, je pleure. Ah oui, 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 tu peux pleurer, ouais. Tu vas te manger, tu seras faire manger par le monstre. Non! Non! Tibescu, elle s'est fait manger! Mais j'y vais manger à cause de ses reins. Mais c'est n'importe quoi! Oh, salut! Oh, bah on est dans la merde alors si t'es là! Oh non! C'est bon, il a mangé donc il a plus faim normalement. Ah, on peut pas, on peut pas! Je vais pas pour d'ailleurs. Mais ça c'est Rose, t'as vu Stéphane, dis-lui! T'es vivante, meuf! Il m'a tué, mais il me fait renaître! Je t'ai pas tué, c'est le monstre qui t'a tué, qu'est-ce que tu racontes là? Ah, genre, je t'ai. Caro? Elle a fui? Elle a fui! Bah oui. Viens, on va dans le trou! Dit-elle! Viens, on va dans le trou! Et d'un coup, pouf, plus de Caro! Caro! Gentil-Séros, a dit Stéphane. Stéphane, il dit Gentil-Séros. Gentil-Séros, ouais. Ah, il y a des croix partout ici, donc c'est pas là? Faut pas aller là. Eh, il y a vraiment beaucoup de croix ici! Ça veut dire qu'il fallait vraiment pas aller par là. Comment tu fais des croix? Je sais pas du tout comment tu fais des croix. Tu changes avec clic droit. Clic droit, d'accord, ok, ok. Parce qu'avec la molette, ça tourne. Bon cœur, t'es où? Caro! Elles sont toutes mortes, hein. T'as un truc, là? Ah oh non! Encore! Mais putain! Encore. Je tourne en rond. Il faut le suivre, je crois. Je crois que la bestiole me suit, les gars. Chérie, t'es là? Oh! Coucou! Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est quoi, ouais, c'est quoi les la les bonnes, bonne nouvelle, c'est que je vous ai retrouvé. La mauvaise, c'est que le monstre est derrière moi normalement. Ah, bah allons là-bas, du coup. Là-bas, je sais pas. Mais elle est où, ma chérie? Elle est... Sais pas, ouais. Elle est pas morte, c'est sûr, parce que. J'en sais rien. Sinon, le jeu n'aurait dit. Oui, c'est vrai. En tout cas, elle est pas morte. De toute façon, vous ah, êtes saleté de chacals. Labyrinthe. Oh, vous allez crever comme des chacals. T'es une sortie? Ah, une ah, bah c'est là où on est tombé. Non, non, pas du tout. Non, 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 non. C'est là où on doit aller. Tu vois qu'on n'y est pas allé pour rien. Il y a une clé aussi. Ok, et une étrange rune que j'ai récupérée. Ah, il faut trouver 5 clés. Au fond. Oui. Ouais, attends, c'est pas cool parce qu'il faut retourner là où il y a le monstre. Hein. Oh non. Sérieux? On n'a pas d'autre chemin? Bah non. C'est pas juste. J'en vois pas, moi. Oh, ça fait chier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire des tacs de flèches là? Je sais pas. Des tacs de flèches. Ouais, où ça, dans quel sens? Trouver la bonne, le bon endroit. Là, je vais faire clic droit. J'ai fait non. C'est bon, viens pas ici. Non, pas ici. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Voilà. Si jamais. En fait, Caro, c'est quelle couleur, Caro, encore? C'est mauve, c'est ça? C'est rouge, non? Non. Ah, c'est rose. C'est pas rouge. C'est pas rouge. Mais je sais même pas par où on va en fait. Ah, là-bas, on n'est pas allé. Restez avec moi, s'il vous plaît. Je veux pas être tout seul. Surtout qu'il y a des grilles pour séparer. Oui, tu viens de le voir là, moi aussi je viens de le voir. J'ai pas allé là. Contrairement au labyrinthe, on sait. Enfin, le labyrinthe de feuilles, on sait où sont les déclencheurs. Hein. Non, ça va, là, ouais. Gardez bien la tête en haut, genre regardez, si vous voyez un truc, c'est qu'il va peut-être, il peut potentiellement se déclencher. Ah bah, je peux pas regarder devant moi, à droite, à gauche, hein, bon. Il faut faire des efforts un peu là, pour le non, groupe. J'ai pas envie. Je vais juste sortir de là. Moi aussi j'aimerais sortir de là, genre j'aime vraiment pas cet endroit. Bah là on va le monstre. Il est où? Yeah. Ah oui. Par là, par là. Ah, j'ai un succès, c'est écrit. Le monstre vous poursuit mais il a tué un autre joueur. Il est là. Attends, j'arrive, viens, j'arrive. Prends. Mon cœur, t'as couru loin, t'es là. Caro, elle a recouru, les gars. On a trouvé Caro deux secondes, putain, vous êtes sérieux? Je te jure. Caro,
Laroi me tue, les gars. Non, perdu. Elle me tue. C'est parce que tu cours, Caro. Caro. Ah. Oui, Caro, mon cœur. Caro, t'es où? T'es où? Elle est là. C'est bon, c'est la sortie. C'est la sortie. C'est la sortie. Mais Caro est pas là. Mais elle est où? Ah non, Caro, elle est où? Oh, bordel. On l'entendait, elle était où? Caro. Oh. Suis le son de Caro. Oui. Caro, Caro. Suis notre voix. Suis-moi. Là, ici, ici. Viens, ah viens, oui, viens. Là. Viens, viens, viens. Trop bien. Oh là là. Non mais moi, ça m'a tué en fait de te retrouver et de te perdre 10 secondes après, tu vois. C'est... Mais oui, direct. Alors moi, j'ai fait une bonne exploration des catacombes et à chaque fois, je me suis retrouvée dehors. J'ai sérieusement aller dehors. Nous, on a tout juste trouvé le chemin où il fallait aller, mais on savait pas où, comment sortir. J'ai pas trouvé la quête, moi. Oh, genre, on te retrouve. Genre, il y avait Caro à droite. Alors, le clip était magnifique. Caro à droite, le monstre à gauche. En mode, ah. Caca clippé, caca clippé ou pas, s'il vous plaît. Dites-moi que vous avez clippé ça, par pitié. Alors, c'est quoi? On a trouvé. On a trouvé une clé. Et une plaque. La plaque pour mettre sur le deuxième bouton descend, d'ailleurs, au passage, Timmy. Ah oui, ça descend là, c'est pas mal là. Ça va, c'est pas mal ça. Oui, ah oui, on revient avec les fragments. Non, c'est peu. C'est sûrement une deuxième sortie en fait, hein, c'est pas ouf en fait, moi j'aime pas. C'est quoi son nom, gros bout? Ah mais attendez, je vois du vert, donc on peut passer par là. Oh bah, ok. C'est bon, c'est bon, on est tous ensemble. On pourra plus passer par là. Bah ouais, mais on est dans la merde. On va devoir tous refaire. Ah non, c'est pas ça. Non mais trouvez la sortie, qu'est-ce qu'on a fait? Alors techniquement, moi je sais que si on attend la grille, il va finir par se barrer. Attendez, il y a rien en face, ok. Gauche ou droite du coup? Mais il y a du vert partout. Putain, on est vraiment revenu dans le truc. Et on attend et la grille qu'est-ce que c'est tout. Suivez le rose. La grille elle va pas se casser si on reste à côté en fait. Mes flèches elles sont où? Y a pas de flèches sur les murs alors que j'en ai mis plein. Suivez-moi, on est sorti. Voilà. Waouh. Je vous ai dit, j'ai fait tous les chemins pour sortir. Elle connaît vraiment tous les chemins pour sortir. Non, maintenant on se casse là, c'est bon. Oui, on se tire. En fait, on n'avait pas besoin de sauter comme on avait fait, on pouvait juste. On se casse. Aller en bas, ouais, j'avoue. Ouais, on pouvait passer par un vrai chemin. Ah là 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 là. Et là, vous pouvez suivre mes flèches. Voilà. Parfait. Bon, par contre, il faut trouver 5 clés, il a dit. On en a trouvé que 2. Il est où, il est en droite. C'est pas ce chemin-là, je crois. Celui qui descend, c'est lequel? C'était celui-là, je crois. Ça va où, à droite? Je sais pas. T'es trop curieuse, mon cœur. Trouvé... Quelque part. T'as trouvé? Ah oui. J'ai trouvé un chemin par les... T'es passé. Faut suivre les flèches. Oui, suivre les flèches. Il y a que du rose. Oui. Alors, le début, c'est là, hein. Oh non, tout le monde a fait des flèches. Vu, c'est là. Non mais moi j'ai mis les glow sticks en plus de vos flèches. Ouais ouais ouais. C'est... Je crois que c'est pas mal là, non? Là c'est pas mal là, là on arrive à l'endroit où il y avait... Là on va ouvrir les portes à droite en fait, avec le deuxième bouton. Ouais. Ah monstre. Bah oui mais il est à l'endroit où on doit aller. Attends, c'est la merde, on doit aller là les gars. On va. Ah oui, mais comment on fait? Peut-être par la gauche, on peut contourner. Il tourne. Non, mais on tourne. Il tourne, le furet du voyage. Arrête avec tes mains, putain. Il repasse par ici. Il repassera par là. Bon, au pire, je meurs, voilà. Non. Mais je suis pas morte encore. Non. Oui, mais non, on partage nos vies. Ah là, bah, c'est bon, je vais pouvoir mettre la plaque. Hop. Objectif mis à jour. Et après? Ah, ça rentre. Bon, mettez une autre couleur, je ne mets pas les glow sticks, moi, du coup. Ok. D'accord. Tu veux qu'on mette quelle couleur de bleu? Du bleu. Bleu pour tout le monde, et dès qu'on est séparé, on change. Bleu pour tout le monde, okay. Voilà. Alors, techniquement, je suis déjà bleu, moi. Bah, ensuite... Il arrive. Bah, s'il arrive là, on est foutu, là, par contre. On peut aller nulle part. On contourne. Ouais, tu connais des BD? On peut pas contourner. Je connais des BD. Mais ouais... Tu connais des BD ou pas? Je connais, ouais, c'est un jeu de merde. J'aime pas, Seros, les BD. Des BD, c'est un jeu de merde, ouais, je connais, ouais. Ah, des BD, ça fait rager sa mère, hein. Ah, bah oui, totalement. C'est pire que Valo. Vraiment ou...
Dans ce genre de labyrinthe, je ferme la porte aux gens. Ouais, mais t'as raison, Darkness. Totalement. Je suis en train de m'endormir et je vais te conduire. Je suis désolé, Kana, si mon live est trop chiant. Je suis désolé. Merci, Angel. Toi, au moins, tu t'occupes de moi. Pas comme les deux autres, là. Oui, c'est ici, on y est parlé. Elles s'en battent les couilles. Hein. Mais oui, elles s'en battent les couilles. De quoi? J'étais en train de lire mon chat et tout le monde s'est barré sans rien me dire. T'as qu'à suivre, faire deux choses en même temps. Attends, comme les meufs, voilà. Allez, gauche. Personne ne met de glow stick de ce que je vois. Pourquoi il y a quelqu'un qui est vert? Mais Angel, t'es vert. Qui met du vert? Mais c'est pas moi. Mais c'est toi qui mets du vert. J'ai mis clic. Attendez. Au revoir, mon cœur. Pas DBD, le problème, c'est les gens dessus. C'est pareil. DBD, ouais, le problème, c'est les gens. C'est la. Attends, il y a plein de glow sticks là-bas, ça veut dire qu'on est déjà parti. Il y a un méchant. Où ça? Oh mon dieu, il est gros! Oh putain! Oh putain, il est giga gros, sa mère! T'as vu le truc? Vite, faut qu'on la retrouve, faut qu'on la retrouve, faut qu'on la retrouve! Fais comment? Bah, y'a sûrement un autre passage par là, les gars, c'est tout le passage à gauche! Giga! Là! Regarde! Ici! J'arrive! Elle est où, Angel? Putain, mais elle a pas suivi! Attends. T'es vivante? Caro? Bah, on l'aurait vu, ça. Regarde, y'a du bleu là, y'a du bleu! Caro? Non mais c'est là d'où on vient là, non? Non, là c'est la grille, elle était là, elle a couru là-bas. Attends. On dirait petit poussé. Le petit poussé. Ah, elle est là. Accepte-le, c'est rose, c'est fini. Non, on ne peut pas accepter cela. Putain, mais c'est Satanus là qui nous suit ou quoi? C'est un gros monsieur, vraiment, sur la vie de ma mère, il fait peur. Mais il a faim aussi. Chérie? Non, elle est morte. Merci. Chérie, oh non, je suis arrivé sur trop tard. Chérie? Putain. On est arrivé trop tard, elle est morte. Elle est morte? Ah oui. J'ai entendu dire merci, merci, et après elle a disparu. Oh non, c'est quoi cette énigme? Il y a une clé là. Yeah. C'est un jeu de mémoire? Oui. Ah, il faut choisir deux fois le même symbole, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais, ça va être facile. J'ai faim, biscuit. Ça va? Ok, je te fais confiance. Elle fait toujours la même chose depuis tout à l'heure, donc je sais pas trop, c'est la définition de la folie un peu quand même. Attends, tu veux que j'essaye? J'aime bien. Ah, t'as, c'est bien, t'as trouvé. Hein. Ah, ouais. Bébé. Ah, mais elle est forte en vrai, tu sous-estimes? Non, non, j'ai rien sous-estimé du tout. Toujours une sous-estime. Voilà. Moi j'aime bien quand on est en plusieurs parce que quelqu'un peut se taper les énigmes à ma place, ça c'est cool. Ouais. Bah alors si tu veux on te les met, on te le met l'énigme dans ta main, on regarde ce que tu fais. Hein. Non, bah c'est que le bébête il arrive donc du coup il est juste derrière nous. Et bon, il est parti. Attends, faut que je regarde où sont les autres, je sais plus. Oh merde, vraiment nul. Donc on a un bébête lent et on a un gros bébête. Putain, en plus ils sont pas du même sens. Bah alors, Tibiscuit, t'as oublié? Mais non, mais attends, je regarde où ils sont tous. Ah, lui, il est au-dessus. Le mec, il fout à peine la pression, quoi. Bah ouais, elle m'a dit que t'étais la meilleure joueuse de jeux d'horreur. Je sais pas, moi, j'attends. Arrête de me juger comme ça. Généralement, je demande à mon chat de le faire, mais là, c'est compliqué. Ah ouais, ouais. Putain. Aventure petit qui me refait 5 euros, c'est gentil, merci beaucoup. Tu veux que je t'aide? Vas-y, aide-moi. Merci du fond du cœur, j'ai pas vu le... Celui-là. Opinez, veux-tu préparer mon donut sucré au sucre? Attends, Bard, viens ici, quoi, bong. Ah bah j'ai pas compris le message, c'est une ref à... Celui-là. C'est une ref à... Celui-là. À Simpson, je suppose. Merde, non, oh, pinaise! Attends. C'était lui. Non, c'était. Ouais. Oh, GG! Attends. Ça. Hop, ensuite, ça. Les deux. En bas. Là. Celui-là. Putain, c'est lui, merde. Je crois qu'il est au-dessus. Ouais. Ouais. Celui-là, là. Non. Tu dois pas lui. Il était en bas à droite, non? Ouais. Ah, salut mon cœur! Coucou! Bon, t'es arrivé par là, toi? Les trois là!
T'es arrivé par là? Je viens de faire l'énigme de merde. Là. Alors, j'ai eu une aventure, les gars. J'ai eu un cochon boucher qui m'a poursuivi. Parce que je veux tellement voir ce côté du live, s'il vous plaît. J'aimerais trop voir ce clip. Ah ouais, non, c'est horrible. Et il a failli me recourser jusqu'à chez vous, là. Hein. Oh non, tu l'as ramené ici, donc moi, j'avais vu que vous avez mis un objectif à jour. Donc, j'étais en mode, non, mais s'ils ont mis un objectif à jour, c'est-à-dire qu'ils sont encore en vie et qu'ils ont pas le monde sur vous. Donc, c'est très bien. Bah, en fait, on l'a entendu. Et en fait, je suis arrivé genre à 2 secondes de ton res. Donc j'aurais pu 13 en fait. Ah dommage. J'ai entendu dire merci. Et après t'as disparu. Oui, j'ai eu un petit raid. C'est lui. Pour ça que je disais merci. Merci beaucoup Zairao pour le Il faut faire une vidéo du truc avec le point de vue de Caro qui est en mode. Clairement, j'ai vécu ma pire vie. Là. Caro, aide-les parce que là les filles sont en PLS. C'est lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un jeu de mémoire. Toi, tu adores ça, toi. Ouais. Oh trop bien, j'adore ça. Ok. Celui-là. J'adore ça, oui. Ouais, attendez, petit biscuit, attendez. En fait, depuis tout à l'heure, elle a oublié. Elle panique. Oui, il était là. C'est vrai, t'arrêtes de bouger. Caro, t'es devant moi. Pardon. Non, mais. Caro, elle veut aider. Laisse-la. Laisse-la, elle a la bonne mémoire. Attends. Attendez, je fais un. D'accord, donc pas celui-là. Ok. Vas-y, je la laisse faire, c'est bon. C'est celui-là. Vas-y, tu vas y arriver. Caro, du coup, elle va recommencer tout depuis le début. Alors, déjà, mon cœur, les gars. Attends, bouge pas. Il y a celui-là. Ah, ok. On dirait des fonctionnaires. Il y a celui-là déjà. Attendez, je te dis. Oh mon dieu, mais elle écoute pas. Mais non, le 5 est là. J'ai pris ta dos. Regarde, il y a ça, ces deux-là, les yeux. Les sont... Oh. Bon, ok, je te laisse faire. Elle écoute pas. On en a 4 qu'on a déjà fait. Un peu de temps. Oui. Mais justement, je te dis, on en a déjà qui sont déjà données. Il faut faire les autres. L'œil, il est où? Vas-y. Ok. Et moi, je voulais voir toutes les tuiles en fait. J'étais trop près, c'était là. Ah non, je suis fait à gauche, attends. Elle veut faire toutes les tuiles. Je sais plus maintenant. Je sais plus. Attends. Oh c'est my bon. God. Ouais, ok. Elle est partie. Je vous laisse faire. Je croyais que t'aimais ça. Mais oui, mais j'ai pas le temps de voir toutes les tuiles. Oh. Putain, c'est les 5 là qui me pètent les roufles. Cochonnet. Quoi ce bruit? C'est Cochonnet, la musique un peu calme, qui fait un peu peur. C'est quoi ce bruit? Musique qui fait peur. Cochonnet. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde, attends, je cherche Cochonnet, le sac à l'envers. Hein. Cochonnet, on a déjà eu des discussions, toi et moi, on a dit on arrête. Il va encore aller sur moi, je le sens, putain. Il fait peur un peu, le monsieur, quand même. Si. Comment? Oui? Ok, c'est bon. On n'a plus la musique flippante. Ah, on est revenu là, je crois. Ouais. Hello! Yo! Alors, petit biscuit a voulu nous mettre le cochonnet sur nous là! Oh! Mais oui, la faim! Elle est comme ça! J'étais sûre qu'il allait venir! Oh! Bah, obligé qu'il vienne! Ok. Mais lui, il est vénère. Je sais pas si elle est morte, petit biscuit, du coup. Non, parce qu'elle est pas encore morte. Ah, c'est pas écrit, il est pas écrit, il reste une vie. Attention, il va peut-être revenir. Hein. Ouais. Je pense que voilà, pendant qu'il y en a un qui fait le memory, petit biscuit est bien morte. Ah punaise. Ah putain, merde. Bon, pendant qu'il y en a un qui fait le memory, on essaye de. Je viens de voir une ombre ou c'est moi là? C'est le triangle. Ok, c'est là. Ok. Il arrive, chérie. Merci beaucoup, c'est très gentil pour les 1€ tritri. Merci à toi pour les 2€ tritri, 2,50€. Merci. Merci du fond du cœur. Hey! C'est bon! Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Mais. Quoi? Mais j'étais en train de faire! Ah! Bah, je sais pas. Bah oui, bah j'ai couru, c'est normal. Mais oui, mais maintenant je sais pas où il est celui-là, moi. Hein? Bah, je vais tester! Bah oui, mais non. Oui, ils étaient déjà dessus. C'était ça, alors, et ça. Oui. Ouais. Oui, regarde-moi de loin. Retiens juste ce que je fais. Comme ça, si je... Oh, non.
Oh non, attends, Angel est morte ? Oui. Oh non. Regarde juste ce que je fais, comme ça tu retiens. D'accord ? C'est en face, ouais. Alors, du coup, j'ai oublié. C'est bon. Là. Ça, ok. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai encore un raid, trop bien. Ah, putain, gars. Merci, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le raid, c'est trop gentil. J'espère que ton live s'est bien passé. Mais grand-mère. Non, meurs pas. Non, mais grand-mère. Meurs pas. Écoutez les raiders, j'espère que vous allez bien. On est sur bordel. Avec Seros et avec Angel Bayou. Moi aussi, j'ai faim. Je veux du saucisson. Il est où ? Je vais chercher du chocolat. Je m'en fais si je reviens. Il est là. Ok. Chérie, tu veux pas que je fasse ? Non, j'ai presque réussi. Oh, il a presque réussi, regardez. Tu l'as dalle aussi, tiens. Bon appétit si tu vas manger. Enfin, bon appétit. Il est peut-être un peu tôt. C'est peut-être bon goûter plutôt, vu l'heure. Hein. Mais merci beaucoup, Aïta Commu chez moi. En tout cas, c'est très gentil. Coucou Aïdea, coucou Lynn Baby, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Oh, je me sens encore trompé, putain. Chérie, laisse-moi faire. Mais laisse-moi faire, non ! Non. Oh. Écoute, nous on meurt en boucle, on est un peu perdu, c'est le principe du on jeu, meurt pas mais en c'est boucle fun. C'est fou. C'est fun quand même. Hein. Du coup, Angel est morte par contre. C'est un petit peu problématique. Oh mon dieu. Ok. Oh là 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 là. Okay. Alors lui, il est. Et j'espère là. Ouais, que t'as passé un bon moment. Non, t'es sur quoi est... du coup, Panda lui... T'es sur un petit jeu d'horreur aussi ou pas? Ok. Lui. Lui. J'espère que j'ai pas trop crié par rapport aux voisins. Si. Avec le cochonnet là. Si. L'important c'est le fun, la survie surviendra après. Re. Live. Chocolat. Juste que je retienne. Live. Attends. Tu seras bien avancé, je ferai une photo. Ouais. Bah, j'ai fait une photo moi. T'as fait une photo ? Mais oui, c'est bon, laisse-moi faire. J'oublie celui-là à chaque fois. Non, c'est bon, il est là. Laisse-moi faire. Non ! Avant qu'il arrive. Bah, non. Ah bon sang. Voilà. Arrêtez de me déconcentrer. Coucou la team. Coucou. Vous voulez que j'essaye ? Angel, t'es là ? Non. Ah, cool. Touche à rien. J'ai fait une photo et Seros il veut pas. Tu tiens à rien. Mais pourquoi tu touches des dragons maintenant ? J'ai rien touché donc tu te calmes. Allez, bon laissez-moi faire là. C'est quoi ce gris ? Il arrive. Ah vas-y, allez-y, crevez maintenant, crevez. Voilà. Ça fera les pieds. Je te jure. Et bah, laisse-moi faire. Toi, touche pas. Pas touche. Mais genre, je fais la moitié du truc et après tu te kiffes le reste. N'importe quoi. Oui. Lui, du coup, il est où lui? Est-ce qu'il est là? Non, merde, c'est pas celui-là. Ok, attends. Hop, lui il est là, lui il est là, là, lui il est là. Oh non, quelqu'un vient de mourir. Attends, celui-là. Il est là. Voilà. Celui-là. Non, mais Angel, j'avais fait une photo. Ah, c'était pour une photo. J'avais fait une photo. Donc j'étais en train de mettre tout. C'est qui est mort du coup? Bah, petit biscuit, on est tous là. Et biscuit. Wow! Il est gros! Qu'est-ce qu'il est gros? Qu'est-ce qu'il est gros? Payez cette histoire. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, chérie. Donc lui, là. Merci pour les 3 euros aventuriers, c'est gentil. Okay. Merci beaucoup. Là et là. Okay. Oui, il m'en manquait deux, mais oui. Celui-là, c'est bon. Alors, voilà, j'ai fait que jusqu'à là. J'ai pas fait la photo de l'autre. Ouais, c'est pas grave, regarde. Ah. C'est En bas. Je pense peut-être que c'est celui au milieu, là. Oh. Celui... Ah, bah, non, c'était ouais, bien ça, là. C'était en bas alors. Ouais, c'était bien. Ouais, c'est en bas. Il voilà. arrive, attention. Il arrive. Ouais. Oh
boy. Tout va bien. Est-il encore là? C'est bon. On a fait les deux qui nous manquaient, du coup je peux juste à faire le reste et lui manquer. Ok. Fais gaffe qu'il était encore là. Je crois qu'on la va. On va enfin la voir. C'est quand que tu vas jouer à Dead by Daylight? Jamais. Là. Jamais. Avec hop, celui-là là. Et avec dernier. Celui-là là. Là. Oh là. Et après, ça fait quoi? Ah, ça ouvre la grille derrière. Oh, t'arrives au bon moment, toi. Derrière, ouais. Elle est où, petit biscuit? Ok, parfait. Je sais, j'ai pas retrouvé. Je sais pas. Bon, faut aller là. Je suis déjà à droite, en fait, on est à levier. Là, aujourd'hui, le mercredi, c'était pas Poppy Playtime. C'est bon, on a ouvert la grande porte, on peut retourner au milieu, je crois. C'était bien cool. Trop bien. J'ai pas testé Palworld, moi, du coup. Tu veux retourner à la grosse zone? Ouais, faut retourner au milieu, ouais. Au milieu? Oui, on a ouvert le. On a ouvert le passage. On n'est pas allé par là. Si, il y a des ghosticos roses partout, donc c'est forcément ouais. Toi. Oui, oui, mais moi je suis partie partout, je sais. Ah bah super. Oh non. On peut faire le tour par là, je crois. Pas là. Je suis pas là. Putain, le cochon est encore là. Petit biscuit, je sais pas où elle est. Mais là, techniquement, on a réussi. Oh, flûte, c'est pas fini en fait. On a encore deux. Yo. Mais non, c'est pas fini. Encore ? Ouais, regarde, on a ouvert celui-là. Oh. On a encore ces deux-là à ouvrir en fait. C'est long de ouf. Oh, c'est chiant. C'est long de ouf. Eh ben, on est tout le monde. Bon anniversaire, biscuit. Robert ? C'est ton anniversaire ? Ouais, on peut dire Robert aussi, ouais. Donc, ça veut dire qu'on a encore deux leviers à descendre ? Bon anniversaire, ouais. On a encore deux leviers à descendre. Ah non, c'est parce qu'elle a le petit chapeau. Et deux clés, on a besoin de deux clés et deux leviers. J'ai deux clés. Sur moi, normalement. Enfin, on a deux clés. Non, mais quand tu fais tab, tu vois ce qu'il manque. Ah oui, bah oui, il manque deux leviers et deux clés, effectivement, ouais. Bon. On peut mettre du vert, s'il vous plaît. Pourquoi? Ah oui, ouais. Bah, comme ça, on sait où est-ce qu'on doit aller. Du coup, si vous avez réussi l'énigme, on a réussi l'énigme, ouais. Oh, c'était gueux, c'était relou. On est pas passé par là, si? À droite, si. C'est à gauche qu'on a pas fait. Là, on va continuer ben voilà. Par là. Eh ben voilà. Bon, on s'est séparés encore? Bah, il y a une, ouais. Je crois qu'on a. En fait, on a pas fait gauche et droite ici, en fait. Ils sont là. Là, on va aller à droite. Je pense qu'il doit y avoir deux zones de chaque côté. Ouais, peut-être. Ouais. Ce serait logique. Voilà, on va aller à droite. J'aimerais trop avoir une map du dessus. Quelqu'un est déjà venu ici. C'est qui a réussi l'énigme du coup? Bah c'était Caro et moi. Pour venir en arrière du coup. Bah j'ai trouvé en fait, il manquait 4. Ah bah, elle est plus là. Il manquait 4, Caro a pris une photo et après on a essayé de faire le reste. Ah ok. Vu la taille de sa barbe, ça fait longtemps qu'il est dans la labyrinthe. Un petit peu ouais. Oh merde, c'est quoi? Attends. Oh, on pouvait tomber là, d'accord. On peut tomber là. Oh là là. Là on peut pas dire hein. Merci beaucoup pour les subs, c'est Bidoudou, Thunderfrost, comment tu vas? J'avais déjà vu ton message Ramkev. Merci beaucoup les gars. Descendre, donc suivez-nous. Ouais, on a trouvé un petit truc. OK, on arrive. Terrence, ce gros bout. Oui. Merci de le reconnaître. J'aimerais trop avoir une carte, en vrai, qu'on puisse écrire une carte au fur et à mesure qu'on avance. Là, y'a un truc, là, y'a un truc. Ah, mais là, y'a une ligne, les gars. Parfait, ça. Ah. Oh là là. Je comprends rien, ça, par contre. Oh. Yes. Parce que moi, j'ai compris, je crois. Faut mettre les mêmes symboles partout. Dans les bons sens, c'est ça sur les côtés. Un truc qui apparaît sur le côté. Dans le bon sens. Ouais, sur les côtés des carreaux, là. Des carreaux. Ah ok, je pense que j'ai peut-être compris. J'ai vraiment faim. Attendez, mais il y a un truc là. Ah ok, d'accord, faut aller là en fait pour voir l'énigme. Ah. Ok.
Il faut communiquer. Mais comment, tout seul, tu peux pas le faire, ça, en fait. On va dire le pilier... Attendez. On va dire le pilier 1 à gauche, ok. Le pilier 2 au milieu, le pilier 3 à droite. Donc le pilier 1 à gauche, moi je l'ai. Supérieur inférieur là et à droite il doit y avoir une sorte de barre au milieu et deux ronds collés. C'est quoi ça? Zombie qui arrive. C'est pas que le zombie là. Oh, couche-nous. Il y a deux zombies. Il arrive par où? J'ai l'impression qu'il arrive partout. Deux zombies ici chez moi. Mais il est où? Il est en haut, je pense. Ah, au-dessus de nous. Ok, vas-y, redis-moi, du coup, le deuxième. Alors, le deuxième à droite, c'est un... Il y a une clé, là. Un œil coupé. J'ai trouvé une clé. En bas. Ouais, c'est bon. Le troisième. Ok. Le troisième, il y en a trois. Donc, en partant de la gauche... C'est bon, c'est pas la personne que tu me dises, parce que j'ai pas de... C'est un gnome. Gnome, à gauche. Au milieu, c'est une sorte de S. Et à droite, c'est, on va dire, A. Ok, pilier mieux. Et c'est où les autres piliers? C'est bon. Ouais, nickel. Oh, c'est parfait. Vas-y. Les autres, c'est où? Bah, y'a pas de chaque côté, les filles, hein. Ok. Faut peut-être visiter les autres couloirs, en fait. Ouais. Ah oui, j'avoue. On a été... Dans la technologie. J'ai peur. J'aime pas mettre des... Mettre des glow sticks. Personne qui allait de ce côté. J'aime pas marcher tout seul dans le noir comme ça, c'est horrible quand tu joues à un jeu d'horreur en coop et que d'un coup, y'a plus personne. T'es tout seul. Ok, j'ai trouvé. Y'a quoi là-bas? Y'a quelqu'un. J'ai pris une photo. J'envoie la photo. Dans Discord. Ouais, ok, je reviens en arrière alors. Ouais. Voilà, comme ça qu'on marche les gars, avec la technologie. Avec la technologie on fonctionne comme ça nous les amis. Le jeu s'appelle Labyrinthine pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un jeu avec un... on est dans le labyrinthe. On est en coop, il y a plusieurs personnes. Et il y a des bestioles qui nous poursuivent. Nouvelle zone. Ah. Oh. 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 Je suis revenu là. Ok. Ok. Non mais laisse-moi tranquille. Non. Ah, ils ont réussi à faire un truc, j'ai l'impression. Elles ont réussi à faire un truc, je sais pas quoi, mais... Un joueur vient de mourir. Ah ok, d'accord. Pratique. Il a combien, bordel? Ah. Oh my god. Bon, mais il y a plusieurs zombies, hein, qui est confirmé. J'ai su mon écran, j'ai craché dessus, j'ai pas fait exprès. Ouais, j'y reste. C'est Ross avec son sort. Bah, je pourrais rien faire, tu veux que je fasse quoi? J'étais littéralement au bout de ma vie, là. Mais au moins, j'ai trouvé des trucs, tu vois. C'est déjà ça.
techniquement, par rapport à ce qui vient de se passer, on a trouvé deux énigmes à droite. Il devrait y avoir aussi deux énigmes à gauche. C'est l'endroit où on est entré dedans, on avait trouvé les trucs à trouver là-dedans. Mais peut-être que de ce côté-là, il y avait d'autres choses à faire, tu vois. Je crois qu'il est là encore. Putain, il est là, il surveille. Regardez-le là. Il y a des zombies partout là. Il y a des sticks partout, JPP. Ouais, t'as vu ça, en fait, c'est pour nous permettre de nous repérer. Je crois qu'il m'a pas vu. Donc ça va. Alors au moins les sticks, tu vois, ça me permettrait de savoir où aller, tu vois. Si je passe là-dedans, je descends. Je vais aller tout droit. Là, j'ai perdu les filles définitivement. Je ne sais pas du tout où elles sont. C'est un endroit où on n'est jamais venu parce qu'il n'y a pas de stick ici. Il y en a de chaque côté. Change de lampe un peu. Merde, j'ai pas de stick en fait dans les mains. Depuis tout à l'heure, je clique pour rien. Un joueur vient de mourir. Merde. Ok, vu qu'il y a que du orange là. Ça veut dire. C'était l'endroit du début, tu vois. Il manque deux leviers, bordel. On a toutes les clés, mais il manque deux leviers. Bon, je vais retourner sur mes pas. Je suis un peu trop perdu, là. Est-ce que vous recommencez une game si vous perdez? Il y a des chances, oui. En gros, si on perd, il y a des chances qu'on doive tout recommencer depuis le début. Et ça, c'est horrible. Je ne sais pas si c'est possible de commencer directement au chapitre 3. Chapitre 3, par contre, pour moi, c'est nouveau. J'avais jamais fait. On avait fait le 1 et le 2, tu vois. Et le 3, jamais. Attendez. Ok, ils ont descendu un levier. Définitivement, on n'est jamais venu là. Ah merde, si on est venu là. Donc j'ai quand même trouvé un endroit où on n'était pas venu. Mais il me semblait que c'était du côté droit, tu vois. Ok, je suis déjà venu par là. Bon, peut-être que c'est pas du tout ce que je pensais. Là, il y a des flèches. C'était le tout début, quand on commençait, quand je mettais des flèches un peu partout. Hop. Là, c'est la fête. Donc du coup, ça, là-bas, c'est le début, quand tu respawns. On a visité tout à droite et tout à gauche aussi. Ça veut dire qu'il manque un levier quelque part. Mais on ne sait pas où. Il manque un levier. En fait, en vrai, si on arrive à faire descendre ça, on finit. On finit la map. Mais il faut le trouver, en fait. JPP. Qu'est-ce qu'il y a, Heidi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gars qui s'est autoban. Ouais, ça existe.
Parce que du côté droit, en fait, c'est que les catacombes. Donc du coup, j'ai peur de retourner dedans et me reperdre, tu vois. Après, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller, hein. De ce côté-là, il y a le cochon. On avait deux énigmes. Il reste une vie. Donc on est déjà venu là. Oh my god. Putain. The fuck. Ah oui, je suis déjà... Ok, d'accord. Je suis revenu là. Le levier, là, il est bon. Oh non! On a un autre joueur qui est mort. Là, ça veut dire que si on meurt... Là, malheureusement, si on meurt... Bah, on perd, en fait. Parce que là, on a zéro vie. On a zéro vie, là. Là, c'est mort. C'est un endroit que je connais pas ici. Les filles sont venues apparemment. Je me sens un peu tout seul en fait depuis un moment. C'est quoi ça? Une clé. Bah écoute, apparemment il y a plus de clés. Il y a plus de clés que de... Que de... Comment on appelle ça? De... Oh, regardez encore une autre clé. Ok, j'ai trouvé plus de clés en fait que nécessaire. C'est nul de partager la vie, ouais j'avoue. Un nouvel endroit là, non? Y'a pas de... Y'a personne là? C'est un endroit horrible pour se perdre ici par contre? Des gens pendus partout. Les gens, ils ont utilisé du rouge. Je me sens un peu tout seul en fait, hein, quand même. Hein. Je me sens un peu isolé. Hein. Que je me fais poursuivre ici, en fait, je pète un câble. Quoi ce bruit? Je veux aller là-bas. Je peux pas aller là-bas. Alors, faut passer par là. Tu suis ici. Tu passes là. Attendez, moi je suis en train de vivre un jeu d'horreur tout seul. Hein. Donc par là. Donc par ici. Il faut passer de ce côté-là. Je fais des zigzags. Là. Ok, nickel. On zigzague. Et... Ok, j'y suis. Et du coup, c'est...
J'espère que ça emmène à un endroit vraiment sympa, parce que sinon c'est un peu con. Il reste zéro vie. J'ai récupéré une clé, on est au début avec les filles. Il joue en coop pour se retrouver tout seul. Mais oui! Oh! Ok, je suis arrivé dans un endroit que je ne connais pas. C'est une fille d'Altan Disney, ouais, j'avoue. Faut faire quoi? Ah, c'est pour les clés! Ok, j'ai mis les 5 clés en fait dedans. Et le levier ? Et donc du coup, c'est écrit, c'est la troisième fois que je viens ici pour actionner ce foutu levier. Seulement pour que la porte finale ne soit fermée au nez. Ça prend une éternité pour se faufiler entre ces choses à nouveau. Il doit avoir un moyen plus facile de remonter. Les filles ? Je vais rester ici. Je vais rester ici. Je pense qu'elle traverse. Yes! 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 Contrairement à TikTok. GG l'équipe! GG! J'étais solo, j'avais trop peur! J'étais en mode, mais. Ouais. En fait, j'étais en train de chercher, le dernier levier, c'était forcément un endroit où on n'était pas allé. J'ai trouvé en fait un passage, j'ai failli me faire choper par le cochon, et après je suis arrivé dans un labyrinthe où vous étiez déjà venu. En fer, j'étais déjà venu moi. Et j'ai suivi un peu, après j'ai trouvé le chemin, et là j'ai vu qu'il y avait l'énigme avec les 5 clés, je suis. Oh putain! Et apparemment. En fait, je me suis fait courser ici. Mais on a bien fait de rester séparés, parce que apparemment, le levier, le troisième levier, il est timé. Donc ça veut dire que si en fait t'es tout seul, tu dois faire le levier et repasser tout le labyrinthe sans te perdre. Oh mon dieu, l'enfer! Ouais. GG, parce que c'était pas évident. On va s'arrêter ici du coup? On s'en sort bien ou pas? En tout cas.